sais pas. Chers amis, nous sommes réunis pour parler du dernier livre de Jean-Pierre Le Goff, « Mes années folles ». Jean-Pierre, on n'a pas besoin de le présenter à Politique Autrement, si ce n'est pour ceux qui ont moins l'habitude de le lire et de l'écouter, de rappeler que depuis 30 ou 40 ans, il observe en tant que sociologue et philosophe la société française, une société française dont il constate de profonds changements. Il l'observe depuis si longtemps qu'il a pu faire un livre sur la France qui n'existe plus et un autre sur la France d'aujourd'hui. Et on voit une énorme différence, et la différence est tellement énorme que non seulement Jean-Pierre Le Goff se demande s'il ne s'agit pas de changement anthropologique, mais aussi quel est le lien que peut avoir cette France d'hier avec celle d'aujourd'hui. La fin du village, on a encore pu la lire éventuellement, comme le dernier chapitre d'une France rurale qui disparaît, comme une illustration du parcours des films de Tati entre La fête au village et Monsieur Hulot et Playtime. C'est un peu la même différence. Les analyses concernant l'entreprise, on a encore pu les lire comme une analyse d'un nouveau modèle managérial qui, après le taylorisme, s'ajoute à d'autres modèles managériaux. Mais là, il ne s'agit plus de changement, il s'agit de bouleversement. La France d'aujourd'hui et la France d'hier n'ont plus rien à voir l'une avec l'autre, et il s'agit de savoir pourquoi, quelles sont les causes. Alors, Jean-Pierre Le Goff a balayé beaucoup de sujets, et dans son dernier livre, il a à la fois resserré son champ de vision pour se concentrer sur la manière dont il a vécu mai 68 et les années qui ont immédiatement suivi. C'est à la fois une micro-analyse, une égo-histoire, et en même temps une interrogation sur un phénomène dont on peut se demander s'il est un symptôme ou s'il est à l'origine d'énormément d'évolutions ultérieures. Et pour dialoguer avec lui, nous avons, il est à ma gauche, Romain Marsili, faudrait-il prononcer correctement, qui appartient à une autre génération qui n'a pas vécu 68, qui a eu 20 ans à une autre époque, mais qui déjà porte un regard rétrospectif sur ses 20 ans. C'est un homme des médias, alors que Jean-Pierre est un homme de la bibliothèque, si je puis dire. C'est un homme qui est au contact avec les jeunes. Il enseigne à Sciences Po. Et vous le connaissez peut-être à travers son blog ou son podcast, Le Corse, c'est lui, et l'Auvergnat, c'est son interlocuteur. Et c'est là qu'il donne, de 15 jours en 15 jours environ, une analyse de quelques phénomènes récents. Alors, je vous propose de procéder de la manière suivante. Jean-Pierre va, dans un premier temps, exposer quelques idées-forces de son livre. Romain va réagir. Nous allons dialoguer. Je vais essayer de me mêler à cette conversation, après quoi nous ouvrirons la discussion à la salle. Eh bien, c'est à toi, Jean-Pierre. Merci. Bien, alors,
peut-être en préambule, parce qu'il y a beaucoup de questions, je vais essayer de faire le plus bref possible sur un sujet qui est quand même assez compliqué. Mais en préambule, je voulais dire d'abord deux choses, très concrètement, à partir des questions que j'ai rencontrées avec mon livre, vis-à-vis d'un certain type de journalistes, des questions qui m'ont été posées, qui sont assez déconcertantes, surtout quand les journalistes n'ont pas lu le livre, ce qui est malheureusement le cas de plus en plus, si vous voulez. Alors, la question est la suivante. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes pour ou vous êtes contre mai 68? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, bon, si j'ai bien compris, mai 68, c'est vraiment nihiliste. Hein. Je dis oui, certes. Alors, je tenais à lever quelques malentendus sur ce point, avant d'aborder le contenu de cette révolution culturelle très particulière. Quand on parle de mai 68, il faut savoir de quoi on parle. Pour moi, je vais résumer de façon très systématique les hypothèses que je développe depuis un certain temps. Je pense que mai 68, comme mouvement d'ensemble, c'est-à-dire qui part des conditions qui l'ont rendu possible, ça c'était dans mon autre livre, La France d'hier, je veux dire jusqu'à la période de l'institutionnalisation de cette révolution culturelle que je situerai avec la victoire de la gauche et les années 80. Donc c'est tout un processus que j'appelle la révolution culturelle 68arde. Et que mai 68, l'événement mai-juin 68, ne se confond pas avec ce qui va passer ensuite. Et dans mai 68, vous avez une part de nihilisme, mais cette part de nihilisme ne dit pas le tout de l'événement. Bon, par exemple, je vais vous prendre un exemple très concret. La grève à l'ORTF, par exemple, exige une séparation et une liberté de l'information par rapport au pouvoir politique. On ne peut pas dire que ça soit particulièrement nihiliste, si vous voulez. Il n'y a pas que l'acteur étudiant, parce que c'est au sein de la commune étudiante avec des aspects nihilistes. Il y a aussi les chrétiens de gauche, il y a la CFDT, et je dirais aussi, à sa façon, il y a le Parti communiste qui lance la grève générale, enfin, il y avait déjà un mouvement d'occupation. Tout ça, ça forme un tout. Et quand vous regardez même les élites de l'époque de droite au pouvoir, ils dénoncent certes le nihilisme, ce qu'ils appellent la chienlit, mais en même temps se posent un certain nombre de questions, que ce soit De Gaulle ou Pompidou, en disant on a affaire, on pourra revenir dans le débat là-dessus, on a affaire à une crise de civilisation et il faut qu'on s'interroge dessus. Aujourd'hui, je trouve que par rapport à ce genre de questions, c'est un peu bête. Donc je n'ai jamais dit que mai 68 est responsable de tous les maux, ni les gauchistes 68ards. Je vous signale que les gauchistes, j'allais dire, on n'a pas inventé le problème des banlieues. À l'époque, c'était un monde ouvrier avec des banlieues ouvrières. On n'a pas inventé la fin des Trente Glorieuses et le chômage de masse. On n'a pas inventé l'islamisme radical. Donc il y a une série d'événements qui vont se greffer. Simplement, sur quoi porte précisément cette révolution culturelle dans sa dimension problématique? C'est sur un point, à mon sens, très particulier, qui est le bouleversement du tissu éducatif et anthropologique et une rupture entraînée dans la transmission. C'est sur ce terrain déculturé que vont arriver d'autres événements avec des effets négatifs. Alors, pour introduire mon propos, je vais partir d'un article de commentaire d'Alain Besançon qui relatait son expérience de mai 68. Ça se passait 3 ans avant mai 68 au campus de Berkeley. Il y a un petit groupe d'étudiants qui fait un sitting et qui apparemment n'a pas d'importance, c'est un groupe comme ça, et son ami historien Martin Malia, qui est professeur à Berkeley, on est en 65, lui dit alors que finalement c'est très important, il y a quelque chose qui est en train de naître là, en 1960, avec ce petit groupe d'étudiants et ce sitting. Ce menu sit-in, lui dit-il, est d'une extrême gravité. Et en fait, ce qui frappe Alain Besançon, c'est la vitesse avec laquelle cette mini-révolution qui commence aux États-Unis va se propager, y compris à travers l'Atlantique, avec une rapidité absolument étonnante, et va concerner d'emblée un certain nombre de pays. C'est pour ça que, je pense, c'est une révolution, quand vous regardez fin 60, 70 et un peu plus, qui a concerné en même temps, sur un même temps historique, un certain nombre de sociétés développées. Et il parle à ce propos d'un bouillonnement volcanique. Il revient en France, à l'EHESS. Alors, tous les rapports d'autorité classiques se sont un peu effondrés. Tout le monde a pour la tour. C'est le forum permanent. Tout le monde tutoie tout le monde, ou presque. Et donc, il parle à ce propos d'un bouillonnement volcanique. Et bien, c'est précisément de ce bouillonnement volcanique dont je voudrais vous parler. Alors, on va faire un espèce de voyage dans le temps
à travers ce que j'appelle le creuset bouillonnant du gauchisme primordial, c'est-à-dire comment, à partir de 68 et dans les années qui vont suivre, se met en place un espèce de creuset culturel qui va se transmettre à travers les générations. Évidemment, on pourra le mettre en perspective sans difficulté avec un certain nombre d'événements ou de groupes qui existent aujourd'hui. Alors, sur ce point plus particulièrement, juste un point, qu'est-ce qu'on entend par gauchisme ? Qu'est-ce que j'entends par gauchisme ? Pour essayer de préciser un peu les choses. Quand on pense au gauchisme, on pense évidemment au gauchisme d'extrême-gauche, vous voyez, avec un modèle révolutionnaire passé, léninisme, guévariste, maoïste, etc. Et effectivement, il était bien présent en mai 68. Mais à côté de ce gauchisme, ça c'est ma thèse depuis longtemps, existait mêlé à lui, de façon plus ou moins nette, une autre sorte de gauchisme que j'ai appelé le gauchisme culturel. Quelles sont les différences par rapport à l'extrême-gauche ? Elles sont assez repérables. C'est qu'en fait, ce gauchisme culturel va déplacer les questions de lutte de classe, de la centralité du travail ou de la lutte de classe, vers des questions dites sociétales. C'est en ce sens-là qu'il comporte, dès cette époque, un moment, on va pouvoir regarder ça de près, mais très prophétique, d'une certaine façon. Et il va déplacer cette question, la question de la lutte de classe vers les questions sociétales, avec une importance première donnée à la sexualité, au féminisme, à l'écologie, à l'école et à l'éducation des enfants. Et quand vous regardez sur une période historique longue, vous apercevez que ce gauchisme-là, à un moment donné, va pénétrer l'État et les institutions. Alors, deuxième point, c'est que ce gauchisme culturel n'entend pas changer, n'entend pas produire une rupture révolutionnaire au sens classique, c'est-à-dire prendre le pouvoir politique par la violence. Il va, ce qui est très particulier, c'est de l'intérieur des sociétés démocratiques à un moment donné qu'il va se développer et finir par être transmis aux générations nouvelles. Et quand je parle du gauchisme, je parle en fait de ces deux aspects-là qui méritent d'être distingués, mais qui en même temps, dans le mouvement lui-même, étaient souvent mêlés. On avait beau être trotskiste, on était un peu anard, si vous voulez. C'était un peu ça. Il y avait du situationnisme, il y avait beaucoup de choses. Alors, comment essayer d'essayer d'extraire quelques thèmes clés de ce gauchisme, on pourrait dire adolescent, du peuple adolescent, que j'ai appelé du peuple adolescent, puisque cette révolution culturelle, dans son contenu, comme dans ses acteurs, représente un aspect historiquement nouveau. Même si avant, vous aviez des mouvements de jeunesse, etc., des chahuts, même avant 68 sur le bac, pas forcément pour la première fois historiquement, mais là, la jeunesse étudiante, ensuite lycéenne, devient un acteur historique central. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la grève générale, il n'y a pas d'autre chose, mais quand vous regardez sur le long terme, alors on dit à chaque fois, oui, mais il n'y a pas que la commune étudiante, certes, mais le gauchisme issu de la commune étudiante a eu un curieux destin, à tel point qu'il a pénétré l'État aussi fou que ça paraisse. On y reviendra là-dessus. Alors, comment essayer de dégager quelques thèmes clés de cette espèce de bouillonnement primitif et volcanique, si j'ose dire ? En sachant que quand vous rentrez dans le détail, vous trouvez une situation bizarre. Vous dites, mais c'est complètement, je n'allais pas dire, il y a un côté bêtise, enfin schématique, vous dites, c'est pas possible. Sauf que ça, c'est le paradoxe, c'est que ça peut paraître bête aujourd'hui, mais ça a pris à un moment donné. Cette chose extrêmement schématique a pris, parce que c'est une vision, le gauchisme c'est une vision en noir et blanc, il n'y a pas de gris, si vous voulez, ça ne se mélange pas. Ces deux camps, c'est assez simple en fait, enfin on va le voir, c'est assez simple pour ne pas dire simpliste. Et dans ce sens-là, par exemple, il n'y a aucun aléa possible dans l'histoire. Tout est voulu par des dominants où tout est un peu, je dirais, manipulé et dominé. Vous voyez ? Il n'y a pas de déviation de l'histoire. Finalement, on est déterminé, on y reviendra, par un certain nombre d'appareils qui nous dominent. Alors, je vais prendre trois questions. La conception de l'État et de la police, parce que ça, c'est quand même important en rapport à ce qu'on entend aujourd'hui, et des institutions. Et lié à ça, la représentation de la société. Le deuxième point, c'est quelle représentation de l'histoire de la France, de l'Europe et des pays occidentaux. Et en contrepoint, je pense qu'il est possible de dégager quelques thèmes qui jouent en contrepoint de ces aspects-là, c'est-à-dire une autre représentation de la société avec une utopie qui, on y viendra sous beaucoup d'aspects, peut apparemment être généreuse alors qu'elle est éminemment problématique. Alors, pour commencer, concernant la première question, c'est-à-dire la représentation de l'État
Ben, vous le savez sûrement, il est avant tout répressif, ce qui correspond d'ailleurs à une réalité de l'époque. N'oublions pas la dissolution de l'extrême gauche, des groupes d'extrême gauche à l'origine. Il y a quand même un climat de violence qui existe, y compris du côté de la police. Il y a quand même des passages à tabac qui existent encore. Il y a aussi le SAC, le service d'ordre d'action civique, qui est quand même là. Donc tout ça existe. Qu'est-ce que le gauchiste ? Il prend ses réalités, c'est comme l'idéologie, si vous voulez, et il va leur donner une exposition, il va la monter en exergue, il va leur donner une signification, une portée qui va nullement de soi. Ça ne veut pas dire qu'au passage, il ne souligne pas des réalités, voyez ? Et donc, là, on a affaire à une police qui est non seulement, pratique la répression, mais c'est une répression extrêmement sauvage, qui n'a pas de retenue, ce qui n'est pas vrai quand vous regardez la réalité de l'autre côté. Parce que beaucoup d'anciens 68ards, c'est arrêt sur image. Il n'y a pas moyen de décoller, et il y a des souvenirs, et on n'a pas regardé de l'autre côté de la barricade, si vous voulez. On n'a pas relu les gens de droite, ou Pompidou, ou même Marcellin, qui était vraiment Marcellin, c'était la Gestapo de Marcellin, vous voyez, bon, c'était quand même un peu gros. Eh bien, vous apercevez que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et alors, il y a de l'extrême droite aussi, il y a Occident qui existe, mais tout ça ne justifie pas forcément l'analyse qui est faite. Et c'est à une vision, je vais y venir, d'une société quasiment avec la montée du fascisme, d'ailleurs fasciste qui est déjà présent dans la société, mais qui en même temps n'en finit pas d'arriver. Ça, c'est très paradoxal. On va s'arrêter là-dessus. C'est-à-dire, le fascisme arrive. Il n'arrête pas d'arriver, si vous voulez. Et donc, on en annonce l'avenue, ça y est. Même aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez l'impression qu'on n'est pas loin, ça va arriver. Mais ça fait plus d'un demi-siècle que ça monte, si vous voulez, le fascisme montant. Bon. Alors, concernant la représentation de la police, je vais donner un simple exemple. La police veut tuer. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose qui est très fort. J'en parle dans mon livre, c'est Chambéry. Bon, alors, Chambéry, pourquoi je prends cet exemple de Chambéry ? Parce que l'extrême-gauche est passée maître dans cette espèce de chose qui consiste à prendre un fait divers, enfin ce qu'on appelait un fait divers, à le monter en exergue et à dire un certain nombre de choses qui ne correspondent pas à la réalité, mais qu'importe. Chambéry, c'est un ouvrier qui est un peu... qui a bu beaucoup dans un bar, qui met un peu le bazar dans le bar, et le patron appelle la police. Bon, il appelle la police, il est ramené dans le car, et il est au commissariat. Et on va le retrouver mort après. Immédiatement, il est considéré comme ayant été tabassé par la police à mort, quoi. Hein, et donc la police est responsable. D'ailleurs, dans les rapports des policiers de l'époque, il y a souvent des versions contradictoires. Le Nouvel Obs va s'emparer de ça, va essayer de regarder ça, etc. Or, aussitôt, sur les murs de Chambéry, vous avez Z à Chambéry. Z, c'est le film de Costa Gavras, parce que l'imaginaire est très présent dedans, où il y a des groupes d'extrême droite qui commettent un assassinat avec la complicité d'une partie de la police, juste avant la montée en puissance, juste avant la prise de pouvoir par les colonels grecs. Vous voyez, l'analogie est immédiatement faite. Et il y a un brave commissaire à l'époque qui dit « Écoutez, vous vous trompez complètement. Moi, je suis membre du club Jean Moulin, je peux vous dire, le club Jean Moulin qui était sympathisant du mouvement de mai 68. Vous vous trompez, c'est pas parce que la police a des versions un peu bizarres. Elle aurait voulu vraiment cacher la tuerie, il n'y aurait pas eu ces versions contradictoires. » Et là, mais tout ce que vous pouvez dire ne passe pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un point de vue, la police cherche à tuer. Et vous allez le retrouver avec un truc qui est assez grave, qui est Richard Day, qui fait partie d'un groupe maoïste, qui va recevoir une grenade en pleine face, tendue avec je ne sais pas combien. Là, la violence, elle est là. Mais aussitôt, on publie une grande photo, les lycéens vont la brandir partout, les étudiants, vous avez Richard Day qui est complètement ensanglanté, c'est une image très forte, ils veulent tuer. Vous voyez, en dessous, ils veulent tuer. Donc la logique de la police... C'est ça. Or, que ça soit la République ou la démocratie, alors que quand vous regardez à l'intérieur des forces de police, il y a un courant républicain qui est quand même assez fort, et y compris qui a existé en mai 68, mais ça, c'est mis hors de côté, vous voyez. Et alors, pour Jean-Paul Sartre, on en arrive directement à la fantasmagorie, ce que j'appelle la fantasmagorie de la répression et du fascisme. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça ne s'appuie pas sur des éléments du réel. Hein. Eh bien, c'est Jean-Paul Sartre, évidemment, un des maîtres à penser de l'époque. L'État n'est pas fasciste, mais sa police l'est déjà. Alors, va s'ajouter un autre élément. Certes, le fascisme, c'est pas partout, mais il y en a déjà dans l'usine. Avec des analogies, excusez-moi, c'est grossier, avec les camps. Je pense notamment à un article de Glucksmann à l'époque, dans les temps modernes. Alors,
la Ligue communiste, j'ai pas trop le temps de vous... à une représentation, je vais peut-être donner une citation pour plonger dans le bain de l'époque, qui est quand même assez, assez étonnant. Alors voilà, vous avez une vision globale de ce qui se passe. Mise en fichier de toute la population, implantation des gardiens de la paix au sein des banlieues ouvrières, rétablissement de l'ordre moral dans les lycées, campagne anti-jeunes, anti-drogue, anti-pornographie, anti-chauffard, anti-gauchiste, etc., appel direct par le gouvernement lui-même à la délation publique. Tout ça forme un tableau, si vous voulez, d'une société complètement sous l'emprise d'une répression sauvage. Je pourrais en développer d'autres, là, parce qu'il y en a beaucoup, mais je n'aurai pas trop le temps. Enfin, je vous donne quand même cette dernière citation. Ça, c'est du côté, c'est pas la Ligue communiste, c'est du côté des Maus-Pontex. Pour réprimer la bourgeoisie à une panoplie extraordinaire, les flics dans la rue, les mouchards, les CRS, les gardes mobiles, les brigades spéciales, les juges, les patrons, ordinairement fascistes et leurs laquais, mais aussi toutes les tracasseries administratives. Alors là, on rentre quand même dans un truc. L'organisation abêtissante de nos loisirs, les hôpitaux et les psychiatres, nos soi-disant représentants qui font tout pour nous réduire au silence, la presse, la radio et la télé abrutissantes et mensongères, et j'en passe, et malheureusement peut-être des meilleurs. Bref, la répression est quotidienne, elle est comme une méduse sur la plage, elle s'étale sur toute notre vie. Voilà la représentation globale qui est donnée. Quand je parle de représentation totalitaire des sociétés démocratiques, je pense que ça, c'est un point assez caractéristique des gauchistes. Mais je me permets une petite parenthèse, cette représentation totalitaire des sociétés démocratiques n'est pas le propre au gauchisme. Bizarrement, je reviendrai dans la discussion, la notion de totalitaire est utilisée par la droite, par le politiquement correct, vis-à-vis du politiquement correct. Ça, et pour moi, les deux sont complètement... On peut en discuter, mais je pense que ce n'est pas la réalité. Bon, mais ça, on y reviendra. Alors, du côté du gauchisme culturel sur le pouvoir, je vais essayer d'aller plus vite. C'est une négation de tout ce qui est, comment dire, pouvoir hiérarchie. C'est-à-dire, vous avez une espèce de... comment dire, d'analogie entre pouvoir égal autorité, pouvoir, hiérarchie, égale domination et aliénation. Ça, vous trouvez ça dans un certain nombre de textes, et ceux qui sont en situation de pouvoir, c'est difficile à l'époque, puisqu'on les soupçonne d'emblée, je cite, sur le manifeste d'Action Censier, d'avoir une volonté de puissance plus ou moins morbide, consciente ou non, et celui qui est en position de pouvoir, il veut continuer de dominer et de s'aliéner en dominant les autres. À l'époque, c'est un soupçon généralisé pour qui occupe une position de responsabilité ou de pouvoir. À chaque fois, vous avez la question « d'où parles-tu, camarade ?» Et je vous signale que là, on parle d'une auteure qui est la tribune. Alors là, il faut mettre les trucs en cercle, parce que tout le monde est à l'horizontale sur le même plan. Et ça, c'est quelque chose qui est... par terre, si tu veux. Mais, voilà, alors... la rhétorique du fascisme, vous la trouvez aussi de ce côté-là, mais alors, c'est une vision évidemment plus anarchisante, mais qui va jusqu'à la dimension du fascisme dans la sexualité. Alors là, c'est assez étonnant, vous avez le front, je ne sais pas si je vais retrouver ça, le front homosexuel révolutionnaire qui va parler de la virilité fasciste. Alors parce que ça va s'étendre, ce concept, vous voyez, il va gonfler. Alors, pour se replonger dans le bain, il faut revenir. La virilité fasciste est définie comme, je cite, « l'utilisation des caractères sexuels de l'homme pour imposer sa dictature sur la société. En ce sens, je cite encore, le fascisme ne peut être que viril et la virilité fasciste. » Alors là, il y a la bataille contre ce qu'on appelle les hétéroflics, à l'époque, qui développent cette virilité fasciste. Et le phare a comme objectif très clair... Enfin, il y a quand même de l'écho, quand même, aujourd'hui, enfin, il me semble. C'est de s'attaquer à la normalité sexuelle fasciste, vous voyez ? Le fascisme devient quand même un concept très globalisant. J'y rajouterai que parmi les maîtres à penser de l'époque, il y a Deleuze et Guattari dans le Oedipe qui vont parler, alors là, avec William Reich, pour ceux qui connaissent, oui. En arrière-fond de référence, à une formule où on est un investissement inconscient du désir de type paranoïa fascisant. Ça, c'est la dimension psychologisante, si vous voulez, du fascisme. Et en fin de compte, vous voyez ce concept qui n'a plus... Enfin, on pourrait le définir précisément. Comment il est né, à quel moment il est né, en Italie, avec l'État fasciste, comment cette notion a été mise en avant par le communisme. Non, non. Vous avez un gonflement extrême de ce... Et finalement, ça aboutit à quoi ? Ben, je vais vous donner une petite citation du gauchisme culturel qui est pas mal. La malédiction qui pèse sur l'humanité,
c'est la contrainte extérieure, qu'elle vienne du pape, de l'État ou du professeur, deux points, c'est du fascisme. Et ça, c'est Libre enfant de Sommeril, qui est un livre sur l'éducation des enfants. Je dirais c'est un peu l'application autogestionnaire appliquée aux enfants, mais qui développe en même temps ce type d'idée. Alors, du côté des écologistes, il y a aussi une rhétorique fasciste. Je vais vous citer un article, de l'électronucléaire à l'électrofascisme. Et je vous signale, c'est quelqu'un de très respectable qui s'appelle Michel Bousquet dans le Nouvel Obs, dans la revue Le Sauvage, au titre significatif d'ailleurs, en 1975, oui c'est ça. Alors, et il y en a qui parlent aussi d'écofascisme, dans le sens où vraiment on détruit tout, quoi, vous voyez. Alors, j'y rajouterai peut-être un point. Il y a eu deux maîtres à penser qui ont renforcé cette vision un peu totalitaire des sociétés démocratiques, c'est Althusser et c'est Foucault. Alors, je ne vais pas juger l'œuvre de ces auteurs, mais simplement dire deux choses. Althusser, qui apparaît alors comme un philosophe, je vais dire, à la mode, marxisme, etc., va développer une analyse de l'État qui apparaît à l'époque par rapport au marxisme classique vraiment d'un apport fondamental, les appareils idéologiques d'État, c'est-à-dire à la répression, à la police, aux tribunaux, etc., s'ajoutent l'école, la famille, les appareils divers et variés, l'Église, évidemment, la famille, j'en oublie, et des meilleurs, qui fait que, eh bien, les citoyens sont complètement soumis, en même temps qu'ils peuvent être réprimés s'ils ne sont pas soumis, vous voyez, c'est ça. Alors, quant à Foucault, je n'ai pas le temps trop de développer, on pourra reprendre, c'est une conception du pouvoir qui n'est pas à l'extérieur de la société en aplomb, mais qui s'insère dans l'ensemble des rouages de la société et dans les institutions. Alors là aussi, ça va très loin, puisqu'il est même présent au sein du savoir. Ce qui va donner un problème, d'ailleurs, celui qui sait, est-ce qu'il n'est pas mu aussi par une... Il y a quand même le pouvoir derrière. Bon. Mais ces institutions, ça va très loin. C'est les asiles, pour les fous, alors là, c'est la répression totale, le secteur social et éducatif, la médecine, l'école et l'université. Et ce pouvoir imprime sa marque sur les corps et les esprits. Vous voyez ? Alors, il les contrôle, il contrôle les corps, les disciplines et normalise, la sexualité étant évidemment un point central de cette normalisation. Voilà pour cette représentation. Deuxième représentation, et je vais très vite, qui est la question de la vision noire de notre propre histoire. Alors, vous allez me dire, aujourd'hui, je pense que là aussi, il y a des ponts à faire par rapport à la situation présente. Comment opère le gauchisme ? En fait, il opère une fixation sur les pages les plus sombres de notre histoire, là aussi en mettant l'accent sur un certain nombre de réalités, mais en les poussant à l'extrême et en surtout en pratiquant, en effectuant des analogies constantes entre présent et passé. Alors, c'est quoi ces références dans l'histoire ? Il y en a une qui est centrale, vous en doutez, c'est le nazisme, le pétainisme, la collaboration. Ça, c'est un truc que vous voyez dans les textes sans cesse. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas loin de la dernière guerre mondiale. On n'est pas loin non plus de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, c'est la deuxième référence aussi, qui est constante. Alors, cette référence, elle s'appuie toujours sur un certain nombre de réalités, mais elle fait pas simplement le parallèle, elle fait un rapprochement avec la répression qui se passe à l'intérieur de la France, vous voyez ? Alors, on peut prendre un peu ces points. Marcellin, par exemple. Alors, Marcellin, surnommé... la matraque, je ne me rappelle plus comment on l'appelait à l'époque, qui est quand même... Il est comparé carrément à Hitler avec Pétain, mais je vous signale que... CRSSS, qui d'ailleurs remontait peut-être avant 68, mais ça, on en reparlera. Mais il n'y a pas... Vous savez qu'en 68, ça, c'est la dimension adolescente provoque, De Gaulle lui-même était marqué avec un masque, et il y avait une affiche de la commune étudiante, où vous tiriez le masque, et c'était Franco qui arrivait derrière. Et derrière Franco, il y avait même Pétain et De Gaulle. Il faut quand même le faire, si vous voulez. Là, c'est la caricature, étudiante, adolescente, poussée à la provocation extrême et à la désacralisation. Mais je cite un épisode dans mon livre qui paraît comique, c'est à propos de Marcellin, dans une campagne de bombage auquel j'avoue avoir un peu participé. C'était un mot d'ordre qui s'appelait « Abat la Gestapo de Marcellin ». Oui, vaste programme. Et un ouvrier qui devait bomber ce slogan avait un peu peur, il tremblait un peu. Et devant l'usine, eh bien, ça s'est transformé « Abat la Gestapo de Marcel ».
Et les ouvriers de la Savième, parce que c'était pour faire prendre conscience, évidemment, aux ouvriers du caractère fasciste de l'État dans lequel nous étions, passaient tous les jours en mobylette sur le pont. Et je me suis toujours demandé ce qu'ils pouvaient penser d'abord la Gestapo de Marseille comme prise de conscience prolétarienne en vue de l'insurrection prolétarienne armée. Mais ça, c'est des, voilà, ça, c'est de la, ça paraît caricatural, mais parler de la Gestapo de Marseille, il y avait de Marcelin, pardon, c'était quand même quelque chose d'était assez présent. Maurice Druon, par exemple, qui va succéder à Malraux, qui est quand même, je vous rappelle, l'un des auteurs du Chant des Partisans. Je prends la Ligue communiste, le Journal Rouge. En quoi Druon est-il différent de Goebbels? Je vous pose la question. Alors là, c'est intéressant. En ceci qu'il vient trop tôt pour tirer sur les écrivains et les artistes pour lesquels il manifeste déjà tant de haine. Non, Druon n'est pas de Goebbels, vous voyez, on dit non, Druon n'est pas de Goebbels, il n'en est que l'ombre, pas le contraire, seulement les prémices. Ça veut dire que le fascisme, c'est toujours la thématique, ça va arriver, hein, voilà. Donc, mais ce qui est fou quand vous rencontrez dans cette littérature, c'est que c'est caricatural, et qui est lié d'ailleurs à la dimension du peuple adolescent. Et je repose la question, ces caricatures, ce qui paraît comme des caricatures, ont été transmises, c'est ça? Elles ont été transmises à travers les générations. Ça, j'y peux rien. Elles ont été prises au sérieux à un moment donné, mais je pense que dans un... Elles continuent d'être prises au sérieux. Alors, en fait, la France, dans cette vision noire, n'en a jamais fini avec ses guerres coloniales. Pas simplement les guerres coloniales à l'extérieur. Alors, il y a le Tchad, il y a encore plus la politique la Franc-Afrique, bon, tout ça. Mais à l'intérieur du pays... Et on fait des analogies constantes entre la guerre d'Algérie, la torture et ce qui se passe. Par exemple, là aussi, le journal s'appelle Rouge des Trotskistes. Avec la mise en place de l'îlotage dans les quartiers, ne va-t-on pas vers une nouvelle bataille d'Alger? Ça, c'est bon, c'est. Voilà. Marcelin jubile, mais il n'a rien inventé. Massu est passé par là avant lui. Les îlots à Alger, ça le connaît. Avec lui, la torture institutionnelle est codifiée. Bon, qu'est-ce que dire? Que dire aujourd'hui? Parce qu'à l'époque, ça, c'est des idées qui circulaient, c'est ça le paradoxe. Alors, il y a des gens qui, dans la seconde moitié des années 70, vont monter ça encore plus en exergue, j'ai pas le temps trop d'en parler, c'est ce qu'on va appeler les nouveaux philosophes, et notamment BHL. C'est-à-dire, là, on prend tout ce qu'a fait l'Occident, c'est-à-dire les tortures, les camps, etc., et nous sommes les enfants du goulag, nous sommes... Et qu'est-ce qu'on brandit en face, après avoir... prenez la révolution prolétarienne style maoïste, eh bien on prend l'éthique des droits de l'homme, évidemment, avec la figure du nouvel imprécateur justicier, qui d'ailleurs va devenir un intellectuel chemise blanche, intellectuel justicier et médiatique. Et alors, pour terminer sur ce fascisme, je vais vous lire les paroles d'une chanson du côté du gauchisme culturel qui s'appelle « Parachutiste ». Et qui est, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est Maxime Le Forestier, qui d'ailleurs chante très bien, il y a des musiques très très bien, c'est pas ce qui est en question. Il luttait à l'époque, c'est lui qui avait lancé la chanson « San Francisco et la Maison Bleue », rappelez-vous, il luttait pour l'autorisation d'occuper les pelouses du Luxembourg. En même temps, il chantait parachutiste, rapidement, parce que j'en aurais beaucoup d'autres. Tu avais tout juste 18 ans quand on t'a mis un béret rouge. Quand on t'a dit « rentre dedans, tout ce qui bouge », c'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Tu tortures en spécialiste parachutiste, plus de tuerie, plus de combat, que vas-tu faire? C'est pour ça que tu as les yeux tristes parachutiste, mais c'était vraiment trop gêné d'être payé à ne rien faire, tu peux toujours te recycler chez tes petits frères, je crois qu'on engage dans la police parachutiste. Écoutez, bon, on ne peut pas mieux... Mais pourquoi je cite des chansons? Parce que les chansons ont été un élément très important de transmission de cet héritage impossible, si j'ose dire. Et ils ont joué là-dedans. Alors, du côté du gauchisme culturel, bon, il y a l'armée, n'en parlons pas, mais c'est vu aussi comme une civilisation, ça va plus large que la France, c'est une civilisation anti-vie, et anti-vie qui empêche l'épanouissement individuel. Et dans cette dimension, c'est une civilisation qui fabrique des névrosés, des conformistes en masse. Il y a un aspect qui est attaqué, évidemment, c'est la religion, plus particulièrement la religion chrétienne, avec la notion de péché originel. C'est-à-dire, c'est une civilisation qui, avec l'idée de péché originel, développe la culpabilité malsaine et empêche le libre développement dès le plus jeune âge, contre le poids de la religion. Alors, je vais vous lire juste un extrait, parce que
Il s'agit de préparer une civilisation qui ne sera pas marquée dès sa naissance, celle de l'enfant, par le péché. Je leur demande d'éliminer tout besoin de rédemption en disant que l'enfant est né bon et non pas mauvais. D'ailleurs, il donne un commandement auquel tout parent et tout professionnel de l'éducation devrait obéir. Tu seras du côté de l'enfant. C'est toujours la dimension. D'ailleurs, oui, une espèce de vision de l'innocence. On va retrouver ça à propos des peuples premiers, qui ont l'avantage par rapport à la civilisation développée de ne pas avoir connu toutes ces déformations et ces aliénations, et qui pour certains représentent une espèce de, du côté écologiste, des écologistes avant l'heure, sans qu'ils en aient d'ailleurs forcément conscience. Là, je vous renvoie à Nicolas Hulot. Hein. Oui, et à Paul et Virginie. Oui, à Paul et Virginie, mais c'est Nicolas Hulot, vous trouvez ça dans Nicolas Hulot, avec un certain nombre de peuples hindous notamment, un rapport à l'animal, à la nature, enfin tout ça va être développé. Alors, cette vision globale, je vais peut-être m'arrêter là, parce que sinon je risque d'être long. Je terminerai là aussi par une chanson. C'est quelqu'un qui avait 14 ans en 1968 et qui s'occupait de la crèche de la Sorbonne. En 75, il avait donc 21 ans, et je vais vous lire l'extrait de cette chanson. « La France est un pays de flics, à tous les coins de rue, il y en a 100, pour te faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. » Ils se souviennent du mois de mai, d'un sang qui coule rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté et s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Je continue. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, alors là c'est sur la période débarquement de Normandie, les Ricains qui arrivent, etc., je passe. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient « Vive Pétain !» qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait, pas beaucoup de Jean Moulin. Et je terminerai sur un point, le fascisme et la gangrène à Santiago, comme à Paris. À Santiago, c'est le coup d'État du Chili. Alors, je ne peux pas m'empêcher, puisque la période de décembre. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais il y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils ne rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés par la dinde aux dindons. Dinde aux marrons, pardon. Ben, vous savez qui c'est ? C'est Renaud qui a eu une influence. C'est des chansons, vous allez me dire, c'est des chansons. Mais c'est comme ça qu'une hégémonie se gagne. C'est pas simplement par des écrits théoriques, etc. Ça passe aussi par un certain nombre de vecteurs. Alors, terminer très rapidement le tableau noir en contrepoint, et je m'arrêterai là. Eh bien, les luttes pour le gauchisme, les luttes venues authentiques, c'est celles d'en bas. C'est celles qui partent spontanément d'en bas, avec une auto-organisation, soit dans les comités de grève, les comités d'action, les comités de lutte. Ça, c'est la véritable authenticité de la lutte par rapport, évidemment, et de la démocratie, une démocratie directe, j'allais dire fusionnelle, puisqu'elle doit toujours être quasiment en permanence en débat. C'est les palabres qui n'en finissent. Il n'y a pas d'arrêt au débat. D'ailleurs, plus il y a du débat, plus ça prouve que véritablement les citoyens s'emparent de la chose, si vous voulez. Le problème, c'est qu'à la fin, ça tourne en rond, mais on insiste beaucoup sur ce point-là. C'est une vision, j'allais dire, à travers ces petites collectivités de lutte, d'une société qui fonctionnerait totalement à l'horizontale. C'est-à-dire qui n'aurait pas de hiérarchie, qui n'aurait pas de représentants, sinon sous le modèle d'un mandat impératif, totalement impératif. Vous ne pouvez pas, sinon, alors là, vous trahissez la collectivité. Je ne crois pas caricaturer, et ça c'est la vision anarchisante qui existe au sein du gauchisme culturel, avec, je dis, fonctionnant à l'horizontale en toute transparence. Il faut que l'information circule en continu. D'ailleurs, c'est un peu marrant, parce que ça fait un peu écho, si vous voulez, aux médias en continu, d'une certaine façon. Il n'y a rien qui échappe, et dès qu'il y a un élément, il est aussitôt donné à tout le monde. Voyez ? Et ça s'appelle... la transparence. La concrétisation de ce modèle qui a eu lieu, c'est Nuit debout. On l'a oublié. Nuit debout. Alors, ce qui est extraordinaire dans Nuit debout, c'est que j'ai vu des journaux télévisés en faire un événement quasiment historique. C'est-à-dire, on ouvrait les journaux télévisés en disant « Voilà la situation de Nuit debout, place de la République à Paris. » C'est quand même assez extraordinaire. Quand vous voyez comment ça fonctionnait, alors, on a cherché, là, il y a quelque chose, la jeunesse et ses aspirations. Oui, certes, mais enfin, c'était quand même une vision caricaturale. Vous étiez d'accord ou vous n'étiez pas d'accord en agitant les mains, vous aviez droit à mettre sur des bouts de papier qu'on allait pendre partout, et j'avais un journaliste anecdote à l'époque, qui était suisse, m'interroge et me dit,
Mais comme vous avez bien étudié Nuit debout, vous y êtes allé voir. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas, j'ai l'impression d'avoir entendu ça depuis 40 ans, de 30 ans à l'époque. Alors là, c'est le scandale. Vous passez à côté d'un événement, c'est quasiment perçu comme un événement historique. Qu'est-ce que c'est devenu? Mais rappelez-vous, c'était la démocratie en acte. On allait au détriment total du suffrage universel, de l'état de droit, etc. C'était ça la démocratie authentique. Alors les écologistes d'ailleurs vont avoir une vision un peu comme ça, ce qui va leur poser des difficultés dès qu'il s'agit d'élire des responsables. On oublie que l'héritage qui vient de là devient très difficile quand il faut élire des responsables qui en plus risquent de prendre le pouvoir ou qui risquent d'être soupçonnés d'emblée, voyez, de ça. Alors d'autre part, concernant toujours ce gauchisme culturel, cette autonomie, vous voyez, par rapport, je reviendrai notamment par rapport à l'État, elle va être prise dans les mœurs et les comportements par le gauchisme culturel. Il va faire valoir une revendication d'autonomie d'une façon individualiste. Et je cite là un manifeste d'Action Censier 1968, « Pour être autonome, il faut se prendre en main soi-même sur tous les plans de sa vie, sans plus jamais déléguer ses pouvoirs. L'autonomie est la négation de toutes les structures verticales. » C'est dit explicitement dans le manifeste. Alors, ça va aller loin, puisque qu'est-ce qu'empêche cette autonomie? Là, il y a une attaque directe sur la famille dans la dimension institutionnelle, où là aussi, il s'agit où la famille est directement mise en question, plus que mise en question, d'ailleurs. Et à la famille, on oppose de façon un peu, je dirais, utopique, si on peut employer ce terme, je cite, « Le couple est l'union spontanée de deux autonomies pour 5 minutes ou plus ». Le couple, alors évidemment, le couple institutionnalisé, tout ce qui est institutionnalisé, c'est une dépossession de son propre pouvoir, de sa propre autonomie, vous voyez. Et le couple institutionnalisé, en personne morale, indivisible et durable, est aliénation. La famille institutionnelle balayée, chacun choisira librement ses relations privilégiées s'il le désire. Le MLF ira plus loin que ça, enfin, un courant du MLF, hein. Je peux vous citer à propos du mariage, en particulier le refus du mariage. Pourquoi le refus du mariage? Parce que et la reconnaissance de l'enfant par le père, en disant non, c'est maternité sauvage. On n'a pas besoin de la reconnaissance par le père. Pourquoi? Sinon, c'est la marque du patriarcat et de la domination. Je n'invente rien. Si nous voulons que nos enfants deviennent des êtres puissants, et responsable des êtres achevés sans complexe d'Oedipe. Ça, c'est extraordinaire. Sans complexe d'Oedipe et tout le bazar. Ça, j'adore cette formule. Nous n'avons pas d'autre issue que la maternité sauvage. La maternité sauvage, c'est le rapport de la femme à l'enfant et qui met... Oui, enfin, à l'époque, il n'y a pas la PMA. Parce que la PMA va pouvoir offrir l'avantage technique de vraiment de mettre le patriarcat, si j'ose dire, complètement de côté. Puisque vous pouvez faire un enfant tout seul, si j'ose dire, et le père, et la figure du père qui est l'oppresseur, la domination, n'est pas là. Ça commence dans les années 70. Et je ne peux pas, puisqu'on fait des rapports avec ce qui se passe aujourd'hui, de voir qu'il y a quand même eu une transmission. À cette dimension d'autonomie s'ajoute la subjectivité débridée et les sentiments comme preuve d'authenticité. Et au sein du MLF, vous avez un courant qui dit, à la différence des hommes qui essaient de maîtriser les sentiments, nous les femmes, on a un avantage, c'est qu'on est près des sentiments. Et c'est une autre façon de faire la politique. C'est ça qui est étonnant. Bon, je ne vais pas vous donner toutes les situations de l'époque, mais l'expérience vécue vaut tous les arguments et toute la raison. Et alors, je pense que ça naît à ce moment-là. Et quand vous allez ajouter la dimension victimaire... Alors là, qu'est-ce que vous allez dire? Vous avez l'expression du témoignage victimaire qui est souvent sordide et qui correspond. Il n'y a plus qu'à rien dire, vous ne pouvez rien dire. Ça écrase tous les arguments, ça écrase toute la logique. Alors, le vécu, c'est l'authenticité. Et l'expression de la subjectivité, c'est ce qui est véritablement, comment dire, même c'est porteur d'alternatives. C'est-à-dire, il est dit explicitement dans un courant, pas la totalité du MLF, mais c'est dit très clairement... C'est une autre façon de faire de la politique. Vous voyez, politique autrement. Mais du côté des sentiments, pas du côté de la raison ni de l'argumentation. Alors,
Bon, je ne peux pas, je n'ai pas le temps de vous donner d'autres citations. Dernier point, la vision internationale du gauchisme, vous le savez, c'est une vision, une valorisation en parallèle de toutes les luttes internationales, évidemment avec les luttes anticolonialistes et anti-impérialistes. Il y a encore, je vous l'ai dit, la prégnance de la guerre d'Algérie, avec d'ailleurs une vision quelque peu angélique des luttes des peuples dominés. Je ne parle pas simplement du FLN, mais aussi du Vietnam. C'est une lutte de libération, il faut la soutenir, on ne va pas être trop regardant, si vous voulez, ce qui se passe, effectivement. Avec un schéma en arrière-fond qui est toujours le même, dominant-dominé. Et si vous êtes dominé, vous menez une lutte nécessairement juste. Et même si vous commettez un certain nombre de crimes, ces crimes peuvent se comprendre, voire se justifier, parce que vous êtes en situation de dominer. Par contre, alors les dominants, là, les crimes, ça passe pas. Là aussi, il me semble, je crois, savoir qu'il y a quelque chose qui a été transmis ou qui demeure dans l'appréciation. Parce qu'il n'y a pas que le Vietnam à l'époque, il y a la Palestine qui tient une place centrale. Bon, je vais peut-être m'arrêter là. Peut-être le comportement, mais rapidement, comportement d'un militant de gauche, c'est que vous discutez, d'extrême gauche, pardon, lapsus révélateur, c'est que vous discutez avec lui, mais il ne discute pas forcément pour vous convaincre. C'est-à-dire que là, du côté de l'extrême gauche, le militant, j'allais dire, de type marxiste, maoïste, léniniste, guévariste, il est persuadé de ne pas être dans le camp d'idéologie. C'est-à-dire qu'il a un avantage sur tous les autres, c'est qu'il a une conscience de la marche de l'histoire. Et donc, il ne cherche pas forcément à vous convaincre, il cherche plutôt à vous désidéologiser. Et vous pouvez toujours continuer à discuter, ça ne changera strictement rien, puisque lui est du côté, en dehors, évidemment, d'idéologie. Ça, c'est un premier point. Il y avait la formule qui disait, je ne sais plus qui disait, le léniniste ne cherche pas à convaincre, il cherche à gagner. Vous retrouvez ça un peu sur les plateaux de télé, c'est pas la recherche de la vérité, c'est qui est le plus fort, face surtout quand vous avez des adversaires en face. Vous retrouvez ça aussi dans les dîners en ville des ex-militants de gauche. Tout d'un coup, vous dites, ils montent sur leur grand sabot, qui sait qui va gagner autour de la table. C'est des restes, si vous voulez, c'est les derniers restes de tout ça. Quant aux formes d'action, je vous signale que dès cette époque, il y a la violence. Alors, on pense évidemment au Black Bloc, on y reviendra, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, on y viendra. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les manifestations. Il y a aussi des actions commando, que les maoïstes vont faire, mais pas simplement les maoïstes, les MLF vont reprendre un peu ce modèle. En quoi consistent ces actions? Alors, il y en a plusieurs, j'ai des détails dans mon livre, soit c'est le jet cocktail Molotov vis-à-vis des houillères à la suite d'un accident du travail, sabotage des grues à Dunkerque, des choses comme ça, mais pas simplement. C'est la distribution gratuite des tickets de métro, par exemple, qui a un impact, vous voyez, qui est plus sympathique. Ou alors, c'est fauchon, c'est-à-dire qu'on va dévaliser... On va dévaliser ce magasin de mets quand même assez luxueux, disons-le, pour le distribuer dans les bidonvilles. Enfin, vous me direz, bon. Et là, ça marche, surtout quand on appelle les médias. Ça commence là. Les actions spectaculaires attirent les médias, surtout si vous ajoutez des intellectuels et déjà des vedettes. Et c'est ce modèle-là, excusez-moi, il a été aussi transmis, vous voyez ? Et terminer René Dumont. Là, je ne peux pas m'empêcher de vous citer René Dumont. Les écologistes, qui a publié un livre, vous savez, L'Utopie ou la mort. Vaste programme, vous avez le choix, mais il faut qu'on en discute. L'Utopie ou la mort. Alors, il y en a qui connaissent déjà la citation, je m'excuse auprès d'eux, mais je trouve que c'est une citation tellement formidable. Voilà. La course à la mort est déjà engagée, nos chances de survie s'amenuisent chaque jour. La terreur de l'an 1000 trouve à la fin de ce deuxième millénaire une curieuse résonance qui, cette fois, n'a plus rien d'irrationnel. Nous sommes en 1974. Alors, il y a une fascination à l'époque pour le modèle chinois et vietnamien, y compris chez les écologistes, on n'avait pas encore au totalitarisme chinois. Pourquoi ? Parce qu'il lutte contre l'égoïsme. Vous voyez, il lutte contre la séparation travail manuel, travail intellectuel, comme dans la révolution culturelle. Donc, il y a tout ça. Et comment on va transformer la société? C'est ça qui est intéressant. Eh bien, c'est par l'éducation permanente. Je cite, « L'éducation permanente repensée ». C'est plus l'éducation populaire ancienne manière, si vous voulez. C'est l'éducation permanente repensée qui doit produire un homme nouveau. Quand je vous parlais du gauchisme culturel qui s'appuie sur l'école, les nouvelles générations
et tout, on va dire presque la communication, eh bien, on y est. Et elle, il parle à ce propos d'agir sur les esprits avec la pédagogie. Vous voyez, ce n'est pas simplement la prise de pouvoir révolutionnaire classique. Et il parle, je continue, de la pression organisée de l'opinion publique vers la lutte contre toutes les formes de gaspillage et de pollution. Je ne sais pas si vous avez entendu une émission il y a deux jours de France Inter, mais alors c'était absolument, pour en parler, on y est, je veux dire, ça c'est 74, mais là on est vraiment dedans. Alors il rajoute une chose qui est extraordinaire, la famille nombreuse, dans cette nouvelle société écologique, la famille nombreuse y serait bientôt déconsidérée, avant même d'être pénalisée, puis interdite. 74. Les nouveaux éducateurs devront susciter dans les masses l'acceptation des nécessaires disciplines. Ça, je trouve ça quand même assez extraordinaire. Chacun devrait au plus vite prendre conscience de ses responsabilités. Tous ceux qui s'accrochent aux privilèges de la société de consommation, qui refusent les réformes des structures indispensables à la justice sociale à l'échelle mondiale et à la survie, peuvent être considérés comme des assassins des plus démunis. Et la question, évidemment, se pose, voulez-vous risquer d'être traité d'assassin par vos enfants ? Par vos enfants que l'enseignement rénové va rendre plus conscient. Voilà. Eh bien, je crois que nous y sommes. Merci, cher Jean-Pierre, de ce tableau assez noir. Si je devais lui donner un titre, peut-être que je choisirais Apocalypse Now, sauf que ton noir, c'est le noir du crayon de Daumier, parce que heureusement, on peut encore en rire. C'est-à-dire, quelques-uns ont le courage d'en rire, car nous savons depuis Baudelaire que le rire est satanique et que le Verbe incarné n'a jamais ri. Évidemment, comme suis-je, je me sens très coupable puisque l'origine de tout ça est Rousseau. Ceci dit, pour racheter le journaliste que tu as rencontré, Place de la République, heureusement qu'il y a Darius Rochepin sur LCI. Donc, si je devais essayer de trouver une sorte de dénominateur commun à beaucoup de phénomènes que tu as évoqués, je me demande si je ne chercherais pas en direction de ce que Bauman appelait la société liquide, c'est-à-dire l'extension abusive et la liquéfaction abusive de termes importants, comme fascisme, qu'on met absolument à toutes les sauces, tout ce qui comporte la moindre règle est fasciste. Barthes, qui n'était pas à une imbécilité près, a déclaré que le langage était fasciste parce qu'il obéit à certaines règles. Alors là, on arrive à l'extrême conséquence de ce développement. J'observe aujourd'hui même une évolution comparable avec le terme de génocide, qui a un contenu précis. Vous entendrez sans arrêt parler du génocide des Palestiniens, du génocide de ceci. Voilà, tout est génocidaire. Et là aussi, le contenu même du mot s'est totalement perdu. Sans doute mettrais-tu ça en rapport avec l'éducation. À propos du génocide, mon petit dernier a 22 ans, il a fait d'excellentes études en Angleterre et aux États-Unis. Il a eu de bons professeurs, mais il est incapable de donner une définition concrète du mot génocide. Je parle d'une discussion que nous avions en famille il y a quelques jours, et alors je me suis demandé pourquoi. Et je lui ai demandé, mais enfin, les cours d'histoire, tu as eu des cours d'histoire ? Et il y a eu cette réponse, oui, mais on n'écoutait pas. C'est-à-dire, la disparition de l'autorité a atteint un degré tel que même dans les meilleures écoles et dans les meilleures universités, les élèves et les étudiants n'écoutent pas. Ou alors, ça entre par une oreille et ça sort par l'autre, parce que il y a, et tu as mis ce point en avant, une sorte de suspicion ou de méfiance
ou de mépris, ou un mélange des trois vis-à-vis de tout ce qui est une autorité quelconque. Je viens de recevoir de mon université une injonction, personne n'a dit qu'elle était fasciste, mais tout le monde a dit que c'était tout à fait ça. Désormais, tout ce qui, dans toutes les demandes de crédit de recherche, et d'ailleurs dans tous les courriers, il y a une obligation d'utiliser trois termes, celui d'égalité, de diversité et d'inclusion. En dehors de cela, on ne lira plus votre courrier. Voilà, c'est-à-dire c'est l'extrême aboutissement de cette espèce d'horizontalité. Alors, j'aurai encore beaucoup de choses à dire, mais je crois que le mieux, c'est de donner immédiatement la parole à ton éventuel contradicteur qui a vécu cette évolution, mais autrement, sous un autre aspect, parce que appartenant à une autre génération. Et puis, je reviendrai peut-être avec deux ou trois questions dans la suite. Merci beaucoup et puis merci pour ces exposés passionnants. Et je crois que vous avez souhaité un dialogue entre générations qui n'est pas toujours facile, d'autant plus qu'on a parfois tendance à généraliser. Les millennials pensent ceci, la génération Z pense cela. Bon, vous avez reçu Jérôme Fourquet, tout ça est bien plus complexe dans nos sociétés archipelagisées. Mais vous avez évoqué aussi une des interpellation de mai 68 et de la suite, d'où parles-tu camarade? Donc en deux mots, moi d'où je parle, je suis né en 1985, donc j'avais 20 ans en 2005. Et je vais essayer de tracer de manière un peu artificielle, mais j'espère que cela vous fera réagir, deux, trois parallèles entre 69 et 2005, avant, pour poursuivre le voyage dans le temps, de parler d'avoir 20 ans aujourd'hui. Je suis enseignant à Sciences Po, donc je connais bien les étudiants qui ont 20 ans, et j'ai longtemps dirigé un média, Vice, plutôt anarchisant, qui avait pour cible les 20-25 ans. Donc c'est une cible que je connais bien. Avoir 20 ans en 2005, retour dans le passé. 2005, quel est l'univers? Il est radicalement différent, l'univers mental, mais en termes d'actualité, il y a un référendum en 2005. Petite astuce de l'histoire, ironie, c'est le premier référendum qui reçoit un non depuis celui de 69, quand vous avez 20 ans. Donc à 20 ans, et dans nos 20 ans chacun, nous avons assisté à un référendum qui était radicalement différent, bien sûr, de celui de 69 au sujet de la régionalisation, qui était une sanction contre le général de Gaulle, enfin plus ou moins. Le gauchisme était totalement absent, enfin, il n'était pas majoritaire dans le non de 2005. Il y avait un non souverainiste, il y avait un non on va dire social, il y avait même un nom libéral, mais ce n'est pas du tout la même chose. En 2005 également, des émeutes. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les plus grosses émeutes depuis 1968. Et d'ailleurs, état d'urgence, qui était la première fois qu'il y avait l'état d'urgence en France depuis la guerre d'Algérie. C'était suite à la mort de deux adolescents en Seine-Saint-Denis qui avaient été électrocutés dans un poste électrique alors qu'ils cherchaient à échapper à la police, qui a donné lieu à toute une vague, d'ailleurs, anti-police, alors pas CRSSS, mais il y a eu beaucoup de continuité par rapport à beaucoup d'éléments que vous avez évoqués. Mais là encore, dans ces grandes émeutes de 2005, à mon sens, pas de trace particulièrement de gauchisme, ni de gauchisme culturel. C'est une forme d'insurrection qui n'est pas très organisée, qui n'a pas de leader, qui n'a pas véritablement de programme, même si Gilles Kepel, de manière très pertinente, voyait dans cet événement de 2005 un peu le point de départ d'un djihadisme de troisième génération et des premières actions significatives d'une minorité salafiste. Et puis, pour poursuivre très rapidement le tour d'horizon de cette époque, 2006, très grande manifestation étudiante qui ont duré aussi plus d'un mois autour du CPE. Alors là, on retrouve quelques éléments de gauchisme. Casseurs, des trotskistes sont présents. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était contre une mesure, le contrat première embauche du gouvernement Villepin. Mais là, la dimension idéologique, c'est quoi? C'est le refus de la précarité. Donc on ne cherche pas un modèle alternatif, on ne cherche pas à inventer une utopie, c'est on veut une sécurité de l'emploi tout de suite.
Donc ça n'a absolument rien à voir comme univers culturel avec, avec 69. Et puis, tout ça a fini par une élection qui avait passionné les foules à l'époque, celle de 2007, entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Une campagne électorale, peut-être que vous vous en souvenez, durant laquelle on a beaucoup parlé de mai 68. Et les deux candidats principaux en avaient parlé pour attribuer beaucoup de maux de notre société à cette période-là, et aussi bien à gauche qu'à droite. Un des slogans de Ségolène Royal, même si elle reprenait quelques codes un peu marketing, et pas que marketing d'ailleurs, subliminaux du gauchisme, la passionnariat, etc. Mais bon, son concept central, c'est quand même l'ordre juste. Donc on était assez loin. Voilà. Donc, en gros, quelques petits éléments dont on se souvient peut-être, mais qui montrent que malgré quelques parallèles, on est dans un univers mental radicalement différent. Ma génération, celle qui est née au milieu des années 80, sa jeunesse a débuté avec le 11 septembre et elle s'est terminée avec Charlie Hebdo puis le Bataclan. C'est une génération, si on parle de pure politique, pour certains, leur toute première activité, leur toute première manif, ça a été manifesté contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle, en 2002. Et pourtant, cette génération-là, aujourd'hui, place la fille de Jean-Marie Le Pen en tête du premier tour en 2022. Donc, on pourrait réfléchir aux raisons, mais c'est tout ça pour démontrer vraiment un environnement extrêmement différent. Culturellement, parmi tout ce qu'il y a de passionnant dans votre livre, Jean-Pierre, il y a le fait que vous citez énormément de références culturelles, littéraires, musicales, et peut-être que pour notre génération, la période de la fin des années 60, c'est avant tout une période extraordinaire avec un fort héritage musical. On se replace en 2005, les livres qui font parler, c'est Da Vinci Code, phénomène mondial, adapté en documentaire, en film. C'est un mélange de mysticisme, de complotisme, mais il n'a pas de dimension intellectuelle très forte, on va dire. Et en France, c'est 2005, un livre de Michel Houellebecq qui obtient presque le prix Goncourt, La possibilité d'une île. Et là, on parle beaucoup de l'héritage dans ce livre de mai 68, notamment sur la libération sexuelle, mais pour la critiquer de manière très frontale, très cynique. En mass-média, ce sont les années de la télé-réalité. On enferme des gens plus ou moins connus pour les observer, pour les juger, pour voter. Mais on est très très loin de l'imaginaire d'émancipation et de libération. Et lorsqu'on parle de musique, vous avez cité beaucoup de chansons. En France, en chanson française, un des tubes de cette année-là, c'est Ma philosophie d'Amel Bent. Donc c'est assez différent pour ceux qui ont en tête les paroles de ce que vous avez cité. Et puis au niveau international, c'est Hips Don't Lie de Shakira. Donc on est dans un univers très différent. Et on est à la veille, ça c'est, je pense c'est une particularité très forte, d'un bouleversement technologique majeur, puisqu'en 2005 est lancé et créé YouTube. En 2006, et 2007, Facebook. Et puis en 2007, c'est aussi le lancement du smartphone. Donc, nous, ma génération n'est pas digital native, puisqu'on n'a pas grandi avec ça, on a découvert ça quand on avait 20 ans, et ça a absolument tout changé. C'était un petit rappel pour montrer qu'on pouvait faire des parallèles avec des univers extrêmement différents. Je vais être plus rapide sur avoir 20 ans aujourd'hui, parce que j'ai plus 20 ans, c'est à 20 ans. Mais là aussi, on peut également tracer quelques parallèles. De l'actualité immédiate. Émeute urbaine, les plus grandes depuis 15 ans, 20 ans. Je ne vais pas les détailler. On est à la veille, on y est déjà, d'une révolution technologique encore plus majeure, plus fondamentale que ce qu'on avait connu avec ce qu'on appelait l'Internet 2.0, c'est-à-dire les réseaux sociaux, avec l'arrivée de l'IA. On a l'impression d'avoir grandi dans une société malade, enfin les gens qui ont 20 ans aujourd'hui ont grandi en partie dans une société malade, pour reprendre le titre de votre livre précédent. C'est une génération qui, quand elle a eu entre 17 et 20 ans, qui a été enfermée pour le Covid. Et en même temps, c'est le retour des idéologies, avec le wokisme, qui est un des mots les plus attrape-tout, souvent à raison, mais aussi parfois à tort. On n'est plus du tout dans la génération du livre et du rock, comme la vôtre, on n'est plus dans la génération de la télé, comme la mienne, mais c'est la génération qui est née avec les réseaux sociaux, où règne la toute-puissance de l'image et de la vidéo. C'est l'avènement définitif, en tout cas pour l'instant, de la vidéosphère, pour reprendre l'expression de Régis Debray. Et ça a une conséquence énorme sur la manière dont sont produits les contenus, dont sont distribués les contenus et les idées. Pour vous donner quelque chose que j'ai vécu dans mon quotidien professionnel,
Une vidéo sur TikTok ou sur Instagram, elle a 3 secondes pour convaincre, à peu près. En 3 secondes, on zappe. Donc, ben, vous, par définition, vous ne véhiculez pas le même type de message en 3 secondes. Pire que ça, les algorithmes de tous les réseaux sociaux, tous, ils promeuvent ce qui clive, ce qui choque, ce qui crée de l'engagement. Quand on dit engagement, ça peut être, ce sont des commentaires qui peuvent être positifs ou négatifs. Et donc, c'est la prime, tout ça, à un certain extrémisme. Et il suffit de voir TikTok. Vous avez énormément sur TikTok d'influenceurs politiques d'extrême droite, d'extrême gauche. Il n'y en a quasiment aucun dans la famille libérale, quasiment aucun dans la famille social-démocrate. Donc, c'est un effet sur la démocratie, et certains politiques l'ont très bien compris. Quand, au hasard, on pourrait en citer beaucoup d'autres, une Sandrine Rousseau tweet des énormités, ben, elle sait très bien que ça va provoquer beaucoup d'engagement contre. Mais ça bénéficie à sa notoriété. Alors, tout ça se traduit politiquement. Je vais vous donner une petite statistique. En 2022, parce qu'on dit, ah, qu'est-ce que ça va donner sur la démocratie dans les décennies à venir. Mais pas besoin de penser aux décennies à venir. En 2022, dernière élection présidentielle, sur la seule base des utilisateurs quotidiens de YouTube ou des utilisateurs quotidiens de TikTok ou des utilisateurs quotidiens d'Instagram, le second tour de la présidentielle aurait été Marine Le Pen contre Jean-Luc Mélenchon. C'est factuel, donc on ne sait pas ce qui arrivera pour la suite. Sur toutes ces manières de communiquer et les dangers, je conseille vraiment un livre très très éclairant à ce sujet de Giuliano da Empoli, Les ingénieurs du chaos, qui explique excellemment bien tout cela. Et peut-être pour faire le point, vraiment, maintenant la transition avec votre ouvrage et avec cette discussion, Jean-Pierre, tout cela s'inscrit dans un vide, malheureusement culturel, qui peut s'expliquer, à mon avis, qui s'explique principalement par une rupture totale de la transmission. Alors, ce n'est pas uniquement à cause des gauchistes de mai 68, et vous l'avez rappelé, d'ailleurs, vous l'expliquez dans votre livre, comment la réforme d'Edgar Faure contre l'université à la papa avait déjà lancé un certain mouvement. Je ne vais pas revenir non plus sur toutes les preuves, malheureusement, parce qu'il ne faut pas s'en réjouir de l'effondrement éducatif. Vous avez vu des résultats catastrophiques, notamment en France, sur les tests effectués sur les élèves de 4e en mathématiques, qui sont non seulement très mal passés, mais le niveau de 4e en mathématiques correspond, et je dis ça sans prétention, mais au niveau qu'on avait, que ma génération, je ne parle même pas de la vôtre, avait en CM1, CM2. Donc en 20 ans, on a perdu quasiment 4 ans de 4 années de niveau, et c'est terrible. L'effondrement culturel, statistique terrible, c'est un sondage qui est paru aujourd'hui dans The Economist. 20% des 18-29 ans aux États-Unis pensent que l'Holocauste est un mythe. Et c'est vraiment générationnel, parce que c'est 20% des 18-29, mais c'est 10% sur les 35-44 et quasiment zéro sur les plus de 45 ans. Donc ce ne sont pas les idées négationnistes qui progressent malheureusement sur toute la société, mais qui fleurissent sur un vide culturel. En France, parce qu'on a beau se moquer des États-Unis, en France, un jeune sur 6, étude de la Fondation Jean Jaurès, pense que la Terre est plate. Donc, c'est 3% pour les seniors. C'est donc marginal. En revanche, c'est 1 sur 6, 16% pour les 18-24 ans. Donc voilà, c'est pas, je ne veux pas noircir le tableau, mais c'est quand même des éléments à avoir en tête. Il y a des très fortes disparités, bien évidemment, sur le milieu social. Il y a ce nihilisme, mais très négatif, pas la version héroïque, aventurière de 1968. Le wokisme hérité peut-être d'un déconstructionnisme dévoyé. Et puis une haine de soi, une haine de l'Occident, une haine de l'histoire. Vous en avez beaucoup parlé. Alors il ne faut pas généraliser à toute une génération sur ces ridicules, mais c'est quand même des traits qui sont très communs. Pour conclure, bien sûr, bon, Jérôme Fourquet, je ne vais pas revenir tout ce qu'il a expliqué sur l'archipélisation de toutes les couches de la société. Je crois qu'il y a quand même deux traits qui sont communs à toute la génération qui a 20 ans aujourd'hui, pour bien les avoir étudiés. Il y a, alors, tous les jeunes, ce n'est pas vrai, il ne faut pas écouter certains publicitaires, non, tous les jeunes n'idolâtrent pas Greta Thunberg, tous les jeunes ne rêvent pas de décroissance, et la preuve, dès qu'on a ouvert les vannes et les portes après le confinement, il y a eu des queues monstrueuses pour aller au McDo. Donc le monde d'après, tout ça, c'était un peu bidon. Mais il y a quand même deux traits qui sont, à mon avis, communs. Il y a une obsession identitaire, alors qui peut se manifester sous des traits radicalement différents, même parfois opposés.
Mais ça va du tout à l'ego, sur les réseaux sociaux, aux questions de fluidité de genre, l'obsession de la race. Le ministre récemment expliquait qu'elle parlait de couleur de peau, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer il y a quelques temps. Ça peut s'exprimer de manière peut-être plus positive sur la défense des traditions. En gros, venez comme vous êtes, c'est le slogan de McDonald's, et puis assumez ce que vous êtes. Alors certains vont être très fiers d'être français, d'autres vont être très fiers d'être en surpoids, de montrer leur forme, qu'on fait le lancement de campagne des Verts. Voilà, ça c'est un trait, on pourrait développer. Il y a aussi une question, là aussi, une réflexion sur la transmission. Alors soit pour la détruire, soit pour la relancer. Vous en avez beaucoup parlé, donc pas de la même manière chez tous, mais il n'est pas totalement aléatoire que pour la première fois on ait un ministre. Alors on verra si les faits, les actes, voilà, s'il tient le coup, puis surtout si les actes suivent les déclarations, mais qui va quand même assez fort là-dessus, ben, ce ministre a 34 ans. Donc il y a quand même chez la nouvelle génération, chez les 20-35, une volonté très forte, d'ailleurs c'est la phrase de conclusion de votre ouvrage, Jean-Pierre, de renouer avec la transmission. Et alors ça c'est le côté, le versant positif, le versant négatif, c'est un versant totalement réactionnaire. Et la réaction n'est pas forcément là, on la croit. Elle est notamment chez certains écologistes radicaux. Je vais vous citer la phrase, hein. Cyril Dion, qui est un cinéaste, activiste, écologiste, qui apparaît partout dans les grandes écoles, dont les films passent à la télévision publique, etc. Il dit « Une croissance infinie dans un système fini dans le corps humain, on appelle ça cancer, mais aujourd'hui, on appelle ça progrès. » Bon, là, on est dans la réaction absolue, je veux dire. Et pourtant, ça vient des écolos. Voilà. Donc, c'est très difficile de faire des éléments de comparaison avec mai 68, mais on retrouve beaucoup là-dessus. Je dirais juste qu'il y a quand même, à mon avis, trois points très, très rapidement qui me sautent aux yeux en vous écoutant aujourd'hui et en lisant votre livre. Ben, la rébellion, tout ce qui a suivi, ça s'inscrivait dans un cadre, une histoire et une culture. Et là, je ne veux pas mettre un coup de jus à tout le monde ici, mais il y a autant de temps qui nous sépare aujourd'hui de mai 68 que de temps qui vous séparait à l'époque de la révolution russe. Et comme vous parlez beaucoup de révolution russe comme une influence, voilà, donc, mais ça, vous inscrivez dans un cadre. Là, aujourd'hui, le cadre, il est quand même très limité à cause de la rupture dans la transmission. L'élan vital, il est quand même très différent. Il suffit de voir les rires que vous provoquez par certaines de vos anecdotes dans votre livre ou aujourd'hui. Les histoires, la manière dont vous avez vécu, bon, on ne va pas rentrer dans le détail de tout, ça pourrait vous mettre mal à l'aise, mais il y a quand même des sacrées histoires dans votre livre. Alors qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de dionysiaque chez vous, dans la rébellion que vous racontez. Aujourd'hui, il suffit de voir la tête de ceux qui s'enchaînent sur les autoroutes ou qui balancent de la peinture sur les toiles d'un musée, ben, ce sont des névrotiques. Et il y a un aspect sacrificiel et un puritanisme absolu. Enfin, ça n'a rien à voir. Alors que vous, on sentait une certaine joie. Et ça, je trouve que c'est quand même ce qu'il y a de plus fort. Et il y avait un amour de la provocation, là aussi. Là où aujourd'hui, à l'inverse, c'est la génération offensée, pour reprendre le titre de Caroline Forest. C'est-à-dire la moindre petit truc, la moindre petite atteinte à mon individualité, on appelle ça une micro-agression. Je trouve que le terme, il est quand même extraordinaire. La micro-agression, je veux dire, si on prend... vous avez vu cette semaine sûrement ces vidéos de la dérive absolue et scandaleuse et révoltante de cette espèce de vision des choses avec l'interview devant une commission d'enquête parlementaire aux États-Unis des trois présidents de grandes universités MIT, Harvard et Penn, où là, ce sont des universités où tout de suite, la moindre petite blague qui passe mal, ça peut vous condamner à une mort sociale, micro-agression. En revanche, on relativise et puis après tout, appeler au génocide juif, est-ce que c'est grave? Ça dépend. Ça dépend du contexte. Voilà, donc vous voyez, la folie, c'est un négationnisme, c'est une nouvelle forme de négationnisme. Et donc, la dernière chose là-dessus sur la microagression, si je finis de tirer le fil, c'est là encore le rapport à l'aventure et à l'humour. Vous l'écrivez dans votre livre. Pour les orphelins d'épopée et de révolution, tout était bon à prendre contre une société où la garantie de ne pas mourir de faim s'échange contre le risque de mourir d'ennui. Bon, je vous cite. Ben, aujourd'hui, on le manifeste contre la précarité pour la retraite éventuelle dans 50 ans. Bon, l'aventure est loin, enfin, c'est ça les manifestations de retraite. On est quand même très loin de l'aventure. L'adolescente star, c'est Greta, qui
à l'inverse, engueule les adultes, qui ne représentent pas forcément la figure adolescente, et qui traite les adultes comme les enfants. Et puis, on a des adolescents qui ne rient plus. Et l'humour doit être inclusif, pour reprendre le terme de l'injonction qu'on vous fait. Moi, je ne vais pas révéler des secrets de cours, mais l'an dernier, ça reste entre nous, même si c'est filmé, ce n'est pas très grave, je l'anonymise. J'ai eu un exposé sur l'humour inclusif à Sciences Po, que je donnais, une élève l'a pris. C'est une élève qui, d'ailleurs, était une des meilleures de la classe. Très bonne élève. Mais elle m'a fait un exposé où elle m'expliquait, enfin, elle tentait de m'expliquer, ce n'était pas très convaincant, que OSS 117 était de l'humour fasciste. Bon, voilà, donc je ne vais pas en dire plus. Il y a quand même d'être en Suisse. Mais je disais ça pour montrer qu'il y avait quand même des grandes, grandes différences et que même si, pour vous citer la critique de toute forme d'autorité, de pouvoir, de hiérarchie assimilée à des phénomènes de domination, revendication d'une autonomie érigée en absolu, vision noire de notre propre histoire, ces thèmes vont façonner la mentalité des nouvelles générations, vous l'écrivez, et je crois que... J'espère que tout ce que je vous ai raconté sur ces anecdotes concrètes sur notre actualité vous donne raison, malheureusement, mais on va essayer d'être plus optimiste, en tout cas dans l'espérance, pendant la suite de l'échange et les questions, pour voir comment s'en sortir. Oui. Alors, je vais répondre, parce qu'il y a, il y a plusieurs points. Il y a la question de la différence. Parce que ce qui est assez frappant, à mon avis, c'est que vous avez des points apparemment de similitude et en même temps, c'est différent. Il faut penser les deux à la fois. Alors, sur les différences qui ont été indiquées, je reviendrai, il y en a plusieurs. Il y a premièrement, il ne faut jamais l'oublier, un contexte social historique qui n'est pas du tout le même. Contexte social historique à l'époque, il y a le sentiment de participer d'une dynamique de l'histoire qui existe de façon plus ou moins fantasmée, mais nous sommes à l'époque des Trente Glorieuses. On n'a pas encore, autour de 75, où les thèmes écologiques et catastrophiques vont monter, précisément au moment, la seconde moitié des années 70, où c'est la fin des Trente Glorieuses et où il y a le rapport de Rome, où il y a un certain nombre de choses. La période que je prends, c'est 69-70, c'est-à-dire la flambée du gauchisme, que j'ai appelé sous les doubles aspects. Et donc, le contexte social historique est très différent. Il n'y a plus de lendemain qui chante aujourd'hui, d'une certaine façon. Il y avait toujours plus des utopies un peu folles. Et je dirais, il y a un autre trait qui est très important, c'est les interdits, les tabous de l'époque. Avec, comme vous l'avez souligné, une transgression qui pouvait être dynamique pour une raison assez simple, qui était le fait qu'il existait un certain nombre d'interdits et de tabous et qu'en face, existait encore des pouvoirs qui tenaient un peu la route, si vous voulez. Avoir De Gaulle, Pompidou, Marcelin et d'autres, c'est pas tout à fait la même chose que d'avoir Hollande, on va dire, ou même aujourd'hui, vous voyez, c'est pas tout à fait la même caractéristique. Et je dirais que la transgression, alors ça c'est très difficile, enfin c'est pas très difficile à comprendre, mais quand on parle de transgression, nihilisme, mais le problème c'est qu'il peut y avoir un nihilisme jubilatoire. Ça, et c'était un peu ce qui se passait, c'est-à-dire pourquoi ? Parce que pour transgresser, il faut qu'il y ait des normes, il faut qu'il y ait des interdits, et ça se paye aussi d'un certain prix. Qu'est-ce que devient la notion de transgression dans une société devenue permissive ? Et c'est un peu ce qui se passe. C'est pour ça que je parle du passage d'un nihilisme actif, dans le sens qui comporte encore une dynamique, j'allais dire, de vie dans le renversement des valeurs, à une sorte de nihilisme d'affaissement, où on continue de faire comme si il existait encore un certain nombre de tabous, d'interdits, de pouvoirs dominants, alors qu'ils ont été complètement érodés, précisément par la révolution culturelle 68-arde. Donc c'est une première différence essentielle. Vous l'avez dit, la deuxième différence, elle est centrale, c'est qu'on est encore, à l'époque, ma génération est encore une génération du livre, et notamment, où la littérature, le roman, mais aussi la philosophie et l'histoire tiennent une grande place. N'oublions pas la guerre des Michards, pour ceux qui étaient à l'époque, c'est toute une transmission de la littérature, d'ailleurs c'était un manuel qui n'était pas si mal fait que ça, et qui vous donnait quand même un certain nombre de bases et des références centrales. Aujourd'hui, là aussi, le manuel a été arrêté, je ne sais plus à quelle date, c'est fini, c'est terminé, si vous voulez. Donc les enfants du livre, j'y rajouterai les enfants du cinéma, et du cinéma un peu d'avant-garde pour les étudiants, puisque c'était le passe-temps, le loisir des étudiants.
avec une fascination pour... Et quand vous la êtes... Cinémathèque. La Cinémathèque, oui. C'était art à essai avec divers auteurs, vous les connaissez, Godard, Truffaut, entre autres, hein, avec des aspects très... Quand vous les regardez aujourd'hui, c'est assez étrange. Peut-être Truffaut tient plus du cinéma classique et reste. Alors les autres... Allez, vous posez la question, comment se fait-il que j'ai pu trouver ça bien? C'est tellement nouveau à l'époque et ça cassait les codes. Tout ce qui était, qui cassait un peu et qui transgressait pouvait apparaître vraiment extraordinaire. Bon, quand vous les regardez maintenant, c'est un peu plus délicat. Mais le cinéma, c'était aussi important. Pourquoi? Parce que quand vous êtes adolescent, enfin quand vous avez 20 ans, quand vous êtes étudiant, c'est-à-dire vous n'êtes pas inséré encore socialement, vous vivez dans un milieu à part, surtout après 68, qui était un milieu, j'en parle, Aron d'ailleurs parle d'un milieu semi-délinquant, qui était le milieu étudiant, avec une dimension de bohème qui venait de loin, et notamment passée par le surréalisme, il n'y avait pas que le marxisme. Rappelez-vous, il y a une filiation à ce moment-là qui demeure, ça va être une grande différence par rapport à aujourd'hui. Quelle est la filiation? C'est Rimbaud, vous voyez, Rimbaud, Marx et Rimbaud, la fameuse formule situationniste, transformer le monde et changer la vie. D'ailleurs, changer la vie va même devenir le titre du projet du Parti Socialiste, à un moment donné. Mais, comment dire, ça n'a pas grand-chose, pourtant, Dieu sait, avec Rimbaud, mais c'est autre chose. Mais il y avait cette dimension, transformer le monde, changer la vie, surréaliste, qui est les surréalistes qui, je rappelle, dans l'entre-deux-guerres, avaient commencé à prendre... lien avec les bolcheviques, avec Trotsky ou Lénine. Et il y avait cette alliance paradoxale, comme disait Raymond Aron, ça se retrouvait derrière le mot révolution ou derrière le mot bourgeoisie. La bourgeoisie du côté de la bohème surréaliste, c'était la bourgeoisie morale, la morale insupportable, etc. Du côté des léninistes, c'était beaucoup plus social, si vous voulez. C'était la classe bourgeoise qui dominait. Quant à la révolution, ben, il y avait un peu la révolution des mœurs, de changer de monde, la surréalité, atteindre la surréalité d'un côté, et de l'autre côté, c'était quand même la révolution style dictature du prolétariat. Avouez que le lien, déjà, n'allait pas de soi. Il va, d'une certaine façon, se continuer. En ce sens-là, il y a une filiation qui existe. Puis je rajouterai un point, vous l'avez dit, les enfants du rock, ou de la pop, parce que ça a compté énormément. Donc c'est une génération qui avait un pied dans l'ancien monde, et qui avait un autre pied dans le nouveau monde, si vous voulez. Et c'est une génération un peu intermédiaire, à vrai dire, mais dont la caractéristique, du moins dans la révolte de ce peuple adolescent, c'est qu'elle va rompre le fil qui la reliait encore à l'ancien, et va laisser derrière elle largement un champ de ruines. C'est là où, à mon avis, la responsabilité propre des 68ards, du gauchisme. Mais j'y rajouterai un point, c'est qu'il y avait un certain nombre de maîtres à penser à l'époque. Enfin... quand même, vous avez 20 ans, ce n'est pas la même chose que d'avoir 63 ans, au même moment, Jean-Paul Sartre. Et que dit Jean-Paul Sartre dans des déclarations diverses et variées? Maintenant, il y a des révolutionnaires, je crois que c'est de 10 ans, des révolutionnaires de 10 ans, qui ont compris un certain nombre de choses grâce à leur grand frère qui était dans, qui ne travaillait pas trop. Ben, des choses absolument incroyables. Vous avez Foucault et même Deleuze qui discutent avec des lycéens. Dans la revue actuelle, par exemple. Et là, par exemple, Foucault dit à propos du groupe Information Prison, qui au passage dénonçait des choses tout à fait réelles, hein, de la situation scandaleuse des prisons et de l'époque, bien, il dit qu'il faut aller au-delà, il faut s'attaquer, il faut aller au-delà, par-delà le bien et le mal. Ce n'est pas simplement les prisons, c'est la notion même de culpabilité qui doit être mise en question. Là, on touche au nihilisme, si vous voulez. Ça glisse, c'est du Nietzsche, quasiment, vous voyez. Et donc, on avait ces maîtres à penser, quand vous avez 20 ans, qui revivaient, on leur donnait une seconde jeunesse, si vous voulez, c'était assez étrange, et ils voyaient la révolution culturelle 68arde à travers la révolution qui n'avait pas eu lieu, dont ils rêvaient, la révolution notamment antistalinienne. Vous trouvez ça? Ça y est, et même chez Castoriadis, il voyait comment cette révolution, c'était les conseils ouvriers. Mais enfin, les conseils ouvriers Budapest et les comités d'action étudiants, tout en disant c'est pas tout à fait la même chose, c'est vraiment pas la même chose. Vous voyez? Mais même quasiment beaucoup de gens à gauche ont projeté sur nous leur propre conception de la révolution. Donc c'est une deuxième différence. Sur la violence, par exemple, on peut dire, les Black Blocs, vous savez, c'était très violent. Mais la différence, ce n'est pas du tout pour justifier ce qui se passait avant, hein, mais il y a une différence, c'est la filiation.
dans le sens une filiation en largement imaginaire entre les luttes passées du mouvement ouvrier, parce que c'était ça qui était en tête, avec toute une littérature de la révolte et de la révolution, et d'une certaine façon, la résistance, c'est les maoïstes en particulier, mais pas simplement les maoïstes. Il y avait toujours cette référence. Je pose la question, où elle est chez les Black Blocs? C'est du nihilisme pur, je veux dire. C'est une violence déchaînée. Et qui est due... Alors, je ne dis pas que la première était... Parce que franchement, c'était un peu fou. Hein. Je raconte dans mon livre des situations flirtent avec la limite et par moments, ça l'a dépassé un peu. Les nouvelles technologies... Et... Nouvelles technologies, vous avez totalement raison sur ce point. Mais, comment dire... Je pense que les nouvelles technologies sont arrivées et c'est leur impact est d'autant plus fort sur un terrain déculturé par la révolution culturelle sans tutarde. Ce qui démultiplie... d'une certaine façon, leur impact, et qui fait que, comment dire, le fait de prendre un recul, parce qu'après tout, rien ne nous oblige à vivre dans la réactivité permanente, le nez dans le guidon, c'est pas le nez dans le guidon, c'est une formule à propos des cadres toujours actifs, c'est le nez dans le smartphone. Mais je pense qu'il y a, plus ça va vite, et les nouvelles technologies vont très vite, comme l'information, plus le recul que permettait la culture... s'il n'est plus là, eh bien, c'est une course folle dans laquelle vous... Alors, je vais prendre le mot aliénation. Vous pouvez courir à la réactivité. Et c'est, à mon avis, ce qui se passe. Dernier point, mais là, je n'ai pas trop le temps, c'est la question des woke. Je peux dire simplement deux choses. Pour moi, les woke, c'est vraiment la queue de comète d'un gauchisme décomposé et véritablement déculturé dans une situation historique nouvelle. Parce que, je ne vais pas détailler, mais quand vous regardez les woke, il y a des points communs. Ça se passe dans les universités, les facs de lettres. Les facs de lettres, c'était le bastion du gauchisme ancien, si vous voulez. Donc, vous avez ça. Vous avez des formes de lutte qui font allusion. Alors bon, j'en parle dans mon... Les blocages de cours, ou l'interdiction des cours. Enfin, empêcher les profs de parler. Vous trouvez ça aussi? Bon. Vous avez une place centrale accordée au vécu. Alors là, ça, chez les woke... L'authenticité du vécu, c'est quelque chose de très important. Donc, vous avez à la fois des points communs, notamment les woke sont absolument imperméables à toute rationalité, à toute logique. Il y a même des points de contradiction chez les woke. Vous avez un phénomène qui vous ramène au communautarisme, à une forme d'identitarisme. C'est-à-dire, il colle les individus à une identité essentialiste. Et de l'autre côté... Vous avez la fluidité possible sexuelle sur le genre. Il y a une contradiction. Eh bien non, il n'y a pas de contradiction. C'est ça qui est très déconcertant chez les nouvelles générations. Là où il y avait une cohérence un peu folle, idéologique, dans les anciens, chez les anciens militants, là vous pouvez faire coexister des points de vue contradictoires dans le même espace de mental, si j'ose dire. Et comment voulez-vous discuter avec quelqu'un qui vous sort son vécu de victime et qui en même temps tient des propos incohérents, mais qui pour lui s'en fiche éperdument? Comment vous faites pour discuter avec ce wokisme-là? C'est donc, si vous voulez, cette contradiction, d'ailleurs, ça va donner un mouvement très émietté, parce qu'on n'est pas dans les idéologies de l'époque, on n'est pas dans le mouvement historique de l'époque, où il y a quand même une concurrence victimaire. Dans l'intersectionnalité, il y a un grave problème. Qu'est-ce qu'on met au centre de l'intersectionnalité? Alors évidemment, si vous êtes femme, homosexuelle, noire, etc., là, vous avez quand même un certain nombre de discriminations qui, d'une certaine façon, va vous placer au centre. Ça pose des problèmes très concrets avec des débats à n'en plus finir sur qu'est-ce qu'on met en tête, quelle est la catégorie la plus discriminée. Alors quand vous faites une manifestation, il y a un livre tout à fait intéressant, j'ai oublié le nom, qui s'est infiltré, c'est pas le mot, du côté dans le mouvement woke, alors des débats n'ont plus finir sur comment on fait pour organiser une manifestation, une pride. Là, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on va mettre en tête parmi les plus discriminés? Alors, on a un problème entre les blancs, les noirs, les hétérosexuels, parce que LGTB+, enfin bon. Et plus, il y a affinité. Donc, vous avez cette dimension qui fait que ce mouvement, quel est l'avenir de ce mouvement? C'est un mouvement qui est contre... et qui est lui-même comporte, et ça, je crois qu'il y a plusieurs auteurs sur des livres sur le woke, comporte ces éléments d'autodestruction, à mon avis, en lui-même, si vous voulez, de par cette dimension-là. Parce qu'il y a déjà des contradictions entre les... Alors, le problème, c'est les hétérosexuels
mâles blancs. Alors là, ça, comment on va les faire défiler? Alors ça, c'est un problème, si vous voulez. Et puis, il reste d'autres... Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, là, l'auteur parle, mais comment on va considérer... Alors, il faut séparer les Maghrébins des Noirs, donc dans le cortège, il faut bien les placer là, mais là, ça va devenir plus difficile avec les autres. Donc, vous avez ces débats. C'est vraiment une espèce de déliquescence, de nihilisme d'affaissement, ce que j'appelle un nihilisme d'affaissement qui existe là. Alors, là, reste de dernier point, et vous l'avez dit, c'est la dimension victimaire. Il y a une différence énorme par rapport au nihilisme actif des années 70, c'est tout sauf des victimes. Ne me libère pas, je m'en charge. Et donc, il y a une façon de rentrer dedans, si vous voulez, y compris vis-à-vis des autorités. Hein, et celui qui n'arrive pas à se libérer par lui-même, il est aliéné, etc. Là, vous êtes dans une dimension victimaire de plainte constante, avec revendication indéfinie de droits, avec un rapport à l'État-providence qui élargit ses droits. Là, vous étiez dans un rapport frontal avec l'État, du point de vue du gauchisme. Ce n'est pas du tout pour valoriser ce premier gauchiste, mais c'est pour vous dire que c'est ça qui est très bizarre. C'est que vous avez des éléments qui se rapprochent de l'ancien modèle et des éléments qui en séparent. Je pense que, en fait, il y a eu transmission des schémas de pensée, d'un rapport au monde dans le gauchisme, qui a été transmis dans une nouvelle situation. J'oublie une étape centrale, qui est l'institutionnalisation du gauchisme, c'est-à-dire par la gauche au pouvoir à partir de 81. Ça change beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce qu'une contre-culture, avec sa dynamique autonome au sein de la société, va devenir une culture quasiment institutionnalisée. Paradoxalement, la contre-culture devient un modèle quasiment, je dirais pas hégémonique, où la transgression va devenir socialement assistée, par exemple. Dans pas simplement dans les gay pride ou dans les... Subventionné. Alors le modèle, on pourrait en discuter, qui se met en place, c'est SOS Racisme à ce moment-là. Et c'est un racisme de deuxième génération, parce que, sans vouloir valoriser l'antiracisme antérieur, mais il avait une visée universaliste. Et quand vous parliez des immigrés, par exemple, à l'époque, c'est une grande différence. C'était travailleurs immigrés, travailleurs français, travailleurs immigrés, même combat. Alors bon, vous pouvez trouver toujours des choses. Mais ils étaient vus à partir de l'internationalisme, on va dire presque prolétarien, vous voyez, dans une vision comme ça. Là, c'est totalement différent. C'est black, blanc, beurre, avec SOS Racisme. C'est black, blanc, beurre, c'est-à-dire c'est l'amorce du communautarisme. Et c'est finalement, et c'est ça, à mon avis, qui va se passer, la gauche va donner au gauchisme les moyens de son hégémonie, notamment au gauchisme culturel. C'est l'époque où, entre autres, Mitterrand commence à parler branché, et puis où rentre à l'intérieur du Parti Socialiste un certain nombre d'anciens militants gauchistes qui n'ont pas remis fondamentalement, forcément, en cause leurs schémas mentaux. Et ce qui s'est passé, malgré tout, à travers le wokisme, c'est qu'il y a eu des schémas de pensée décomposés qui ont été transmis à travers les générations. Mais dans une situation où vous voyez des points semblables et on vous dit « mais c'est plus pareil ». C'est un peu comme l'alcool, si vous voulez. Il y avait une publicité antérieure, ça ressemble à l'alcool, c'est de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette publicité. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Je terminerai sur juste un point sur Bruckner et les woke que vous avez posé. Moi, j'ai une vision des woke, si vous voulez, qui est à la fois importante. Il faut les combattre par rapport, parce que c'est la question de la liberté qui est en question. Mais la vraie question, c'est pourquoi les élites... une bonne partie des élites se sont couchées devant. Parce que je n'arrive pas, je vais vous dire franchement, quand je lis les woke, à les prendre au sérieux, intellectuellement. Je ne peux pas, je trouve ça nul, enfin, comment vous dire, il n'y a même pas à discuter. Si vous discutez avec un ado, en révolte, c'est à peu près pareil. Et puis il n'en finira pas, il s'accrochera, j'arrive pas à saisir. La vraie question, il y en a deux à mon avis, c'est pas les woke. Enfin, c'est les woke, parce qu'il faut les combattre. C'est comment en est-on arrivé là? Bon, moi, si je peux contribuer un peu à montrer comment on est arrivé là, c'est pas mal. Et deuxième question, c'est pourquoi les élites se sont un peu largement couchées devant? C'est ça, la question. Et pour moi, je terminerai par... Je partage un peu le point de vue de Pascal Bruckner dans la Revue des Deux Mondes, je vais vous citer. Il dit, c'est un peu le marché de l'occasion de la lumpen intelligentsia. Le cycle de vie d'une mode intellectuelle durant 20 à 30 ans, on en a pour au moins une bonne décennie.
Après, le wokisme entrera dans le musée Grévin du délire politique pour rejoindre le maoïsme, le trotskisme, le castrisme, etc. Et ça, je ne suis pas en désaccord. Surtout que... Alors, la question, c'est comment on lutte contre tout ça. Moi, je pense qu'il faut faire attention à une chose, c'est la réactivité constante, le nez dans le smartphone. Je m'explique. Il faut les combattre, mais si on les combat dans une forme, on les remet au centre. Parce que c'est ça le piège. C'est que si vous n'êtes que dans la réactivité, dans la dénonciation, sans l'analyse, de voir d'où ça vient, et voir comment les élites les combattent effectivement, parce qu'il y a quand même des réactions en France. La France n'est pas les États-Unis. C'est pas les États-Unis. Donc je pense qu'il faut faire attention dans la façon de combattre le wokisme, à le placer sans cesse au centre. Écoutez, l'essayer de langage de Madame Rousseau, qui a un mari déconstruit, c'est formidable. Enfin, on s'en... Franchement, si vous rentrez là-dedans, vous n'en finissez plus. Et je crois que ça joue un rôle de détourner l'attention face à des grands problèmes qui sont autre chose. Par exemple, et ça nous empêche de les penser, l'immigration. Alors là, c'est typique comme type de barrage, mais pas simplement. C'est-à-dire la géopolitique, les risques de guerre, ce qui se passe dans le monde. On est en train de réagir et de surréagir, et ça donne des polémiques à n'en plus finir qui tournent en rond. C'est ça le piège du wokisme, à mon avis, avec la démission des élites. Parce que c'est ça la question. Pourquoi les élites? C'est ça la vraie question. C'est pas le wokisme en tant que tel. C'est pourquoi cette démission? Et je terminerai par une phrase de Voltaire à propos de la démission et puis de ce courant que je trouve très bien. Ils se sont fait dévots de peur de n'être rien. C'est-à-dire, ils se sont fait dévots de peur de n'être rien. Je pense qu'il y a une mode, comme il y a eu une mode à un moment du maoïsme, si vous voulez. Alors, moi, j'ai revu les livres de ma bibliothèque et je me suis dit, mais c'est pas possible. À l'époque, c'était le centre du monde. Nous étions dans un bocal ou un aquarium qui s'appelait les facs de lettres, et c'était le centre du monde, tout tournait autour. Dans le milieu gauchiste, il n'y avait pas d'extériorité. Vous retrouvez ça dans certains studios de télévision et qui sont marqués par toute une idéologie. Il n'y a pas d'extérieur. Et vous pensez le monde... Et alors le problème, c'est, un demi-siècle après, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, je pense que le destin long terme, j'espère, du wokisme, ça sera ça. Voilà. Et pourquoi les gens suivent? Eh bien, la formule de Voltaire, ils se sont fait dévots de peur de n'être rien. Je pense que ça joue en grande partie dans cette dimension-là. Voilà. Merci, cher Jean-Pierre. Ta citation de Voltaire me permet de rebondir et je voudrais essayer de te faire creuser et de faire creuser encore à Romain un peu plus les différences entre le gauchisme d'origine et le gauchisme de maintenant. Et je me demande si, sur le plan économique et sur le plan idéologique, il n'y a pas d'énormes différences. Si je t'ai bien compris, tu considères mai 68 comme une sorte de révolte dans une société d'abondance. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une société d'abondance, nous sommes dans un cycle économique différent. Après les 30 glorieuses, il y a plutôt les 30 piteuses, et c'est une époque de crise. Nos enfants, votre génération, mais la suivante, est persuadée qu'elle vivra moins bien que ses parents. Et en même temps, ils sont élevés dans le schéma d'une société de consommation. On parle sans arrêt de la balance vie-travail, et en même temps, on voudrait augmentation de salaire, augmentation du temps libre, augmentation des vacances, travailler moins, mais profiter plus. Et dans une société d'abondance, ce schéma fonctionne, et le Parti communiste en 68 l'a parfaitement compris puisqu'il a récupéré la mise pour des augmentations historiques de salaire. Or aujourd'hui, il n'y a plus de Parti communiste pour récupérer la mise et il n'y a plus d'augmentation de salaire possible. Et
Le basculement se fait très exactement au début des années Mitterrand, au moment où le gauchisme devient d'État, si l'on peut dire, et s'il fallait chercher un symbole, on peut chercher le symbole de Jack Lang, ministre de la Culture, et tu as longuement parlé dans ton livre de la fête de la musique, tout le monde descend dans la rue, tout le monde... Il est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde il est génial, quitte à taper dans une casserole. C'est de la musique comme une autre. Là, on a de nouveau le nivellement par le bas. Or, pendant toutes ces années où, avec toi, j'observe un peu l'évolution de nos sociétés, il m'arrive de penser aux mots de Sartre dont je me suis beaucoup moqué. Il ne faut pas désespérer Billancourt. Et je pense que ce mot est une profonde vérité. Qu'est-ce que ça signifiait ? Le Parti communiste proposait à ses adhérents un idéal. L'idéal avait l'avantage d'être lointain, mais on pouvait y croire. On pouvait y croire, c'était les lendemains qui chanteraient. Et certes, il y avait des voix qui disaient que ce paradis n'était pas aussi rose qu'on voulait bien le faire croire, mais ça n'avait pas d'importance. Cette croyance était le fondement à la fois pour un catalogue de revendications et le fondement pour l'organisation de solidarité à l'intérieur du Parti ouvrier. Et la même chose existait du côté de l'Église catholique. Que fait l'Église catholique ? Eh bien, le paradis, c'est pour après. Vous serez récompensés. Et pour le dire avec Henri Heine, les plaies d'ici-bas seront baisées par les anges dans l'au-delà. Donc, il y aura une compensation. Tu as bien montré dans ce livre et dans les précédents que l'effondrement de l'Église catholique fait que cette croyance dans le paradis, ma foi, ça fonctionne moins bien. C'était un idéal, c'était quelque chose à laquelle on pouvait se raccrocher. Cette croyance dans le paradis soviétique n'existe pas, mais c'était quelque chose à laquelle on pouvait se raccrocher. Et je me demande donc ce vide que tu décris, s'il ne faut pas mettre dans, dans le catalogue des causes à une très bonne place l'effondrement de l'Église catholique d'une part, dû en grande partie à Vatican II, et deuxièmement l'effondrement du Parti communiste dû en grande partie à la découverte de la réalité communiste 56-68 Solzhenitsyn. Donc là, il y a deux paradis qui ont disparu. Et la citation de Voltaire me fait penser qu'il ne s'agit pas de dévots, il s'agit véritablement de religion. Dans l'université, ma foi, je rencontre des collègues woke. Eh bien, ce qui me frappe, c'est qu'il est absolument impossible, impossible d'avoir le moindre dialogue. Ce sont des gens qui ont reçu une illumination. C'est un mouvement qui a son fondement dans le protestantisme américain. Ce sont des gens éveillés, ce sont des gens qui marchent sur l'eau, c'est des gens qui n'ont plus aucun rapport avec la réalité. Et aujourd'hui, vous avez un mouvement parallèle, parareligieux, qui se développe et qui est tout à fait comparable, c'est les évangélistes. Je vous recommande les quatre films qu'a fait Olivier Mille, avec qui j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, et qui maintenant a sa société de production, Artline, quatre émissions sur les évangélistes, et c'est vraiment quelque chose qui se répand à une vitesse grand V, maintenant aussi sur le continent. D'abord, c'était limité aux États-Unis et en Afrique. Maintenant, nous l'avons en Allemagne, etc. etc. C'est ce wokisme, c'est l'éveil piétiste du XVIIIe siècle. Ce sont des gens qui ont reçu la lumière. Ce sont des gens qui ont reçu en don la vérité.
Donc, je me demande si l'homme n'est pas un animal religieux, et je me demande si le wokisme, entre autres, ne remplace pas dans l'imaginaire collectif à la fois la religion catholique d'un côté et le communisme de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle il sera impossible de le combattre avec les moyens traditionnels, il faut en imaginer d'autres. Et peut-être le retour aux Lumières en est un. Là, je dois dire, je ne partage pas tout à fait ce point de vue. Effectivement, il y a un côté puritanisme, je veux dire, des États-Unis. Il y a un livre, d'ailleurs, que je vous conseille, qui s'appelle « La religion woke », qui insiste là-dessus. Sauf que la France, ce n'est pas les États-Unis, d'une part. D'autre part, concernant la religion, sur le catholicisme, j'ai une autre vision. C'est-à-dire, effectivement, il y a un point qui me paraît central, d'ailleurs, qui a commencé la révolution, le mouvement de révolution culturelle 68 tarde, on pourrait prendre Vatican II, parce que la remise en cause des hiérarchies d'un certain nombre de dogmes, avec ce qui va donner des spiritualités diffuses et bizarroïdes, elle commence aussi là. Et d'autre part, je n'ai pas souligné d'ailleurs dans mon livre un élément très important, c'est les catholiques de gauche, les chrétiens de gauche, qui ont joué un rôle très important au sein de cette révolution culturelle, aussi importante que l'extrême gauche, mais qui n'était pas forcément des nihilistes, c'était plutôt la version gauchiste de la doctrine sociale de l'Église. Alors là, je pourrais beaucoup développer ce point-là, avec des personnages assez importants, qui n'étaient pas simplement des néo-marxistes, mais aussi certains clercs, j'allais dire, pratiquaient aussi la psychanalyse, puisqu'il y avait Marx, mais aussi il y avait Freud aussi, il ne faut jamais l'oublier. Donc il y avait ce grand Méli-Mélo qui va suivre Vatican II, qui va amener l'Église, une partie des chrétiens de gauche vont s'insérer dans cette révolution culturelle. Et d'ailleurs, au sein de l'Église, je ne suis pas un spécialiste, mais la liturgie va en prendre un sacré coup, si vous voulez. Hein. Et je vais dire juste un point, c'est qu'à cette époque-là, ce qui est assez étonnant, vous prenez quelqu'un comme Michel de Certeau, je ne sais pas si vous connaissez ce jésuite extraordinaire, qui était très branché sur les sciences humaines, qui avait créé d'ailleurs la Société Freudienne de Paris, qui était dans la Société Freudienne de Paris avec Lacan. Or, ce qui est intéressant à l'époque, c'est que vous avez une remise en cause des dogmes, qui consiste quand même à les éroder pas mal, au profit d'un rapport direct à une transcendance qui est quasiment un agnostique, une espèce de chose. On sait qu'il y a quelque chose, il n'y a plus de dogme, mais c'est du divin, enfin, c'est ce que j'appelle les nouvelles formes de religiosité diffuse. Et ça, c'est... Alors, De Certeau, lui, était très centré sur les sciences humaines, sur la parole. Il y avait la parole poétique de mai, ça veut dire quelque chose, on ne sait pas trop. Et il y a toujours cette idée qu'une espèce de théologie négative qui aboutira chez un certain nombre de chrétiens à dire, paradoxalement, plus je doute, plus j'ai la foi. C'est des paradoxes très bizarres. Vous voyez, non, c'est pas de ça, c'est tout. Ça existe dans le protestantisme. Oui. Vous avez la théologie sans Dieu. Voilà. Eh bien, voilà. C'est la théologie négative. Voilà. Et là, ça a été poussé très loin. Alors, la psychanalyse arrive, se croise avec tout ça, avec une dimension de l'autre, du grand autre, on ne sait pas trop ce que c'est, etc. Donc, oui, l'Église a joué. Sur le wokisme, je voudrais revenir. Quand je prends 68, par rapport... tu parles cycle économique. Moi, pour moi, on va parler d'un 1789 socio-juvénile, parce qu'il y a quelqu'un qui a saisi ça, qui s'appelle Morin, oui. Edgar Morin, et qui disait explicitement « ça aura des conséquences aussi importantes que 89 », sauf que sur le moment, on ne les voit pas. Et si vous vous situez sur un demi-siècle plus tard, eh bien la transformation, elle a de fait eu lieu. C'est dans la brèche. Donc, oui, c'est dans la brèche, mais il y a plusieurs étapes, comme il y a plusieurs étapes dans la Révolution française. Donc je pense qu'il faut prendre l'ensemble du processus en compte. Sur le catholicisme, à propos du messianisme, parce que c'est un peu ce que tu poses, et du communisme, juste un point, moi je n'ai pas tout à fait cette vision-là, parce que je pense qu'il y a une dimension qui va pas tout à fait dans le sens du lendemain qui chante, c'est la réconciliation n'est quand même pas de ce monde. Donc qui quand même est une dimension qui met en garde par rapport à un certain type d'engagement, j'allais dire idéologique, de type totalitaire, si vous voulez, qui ne cherche pas à voir la réconciliation d'une société transparente à elle-même qui serait véritablement de ce monde. Mais ça, c'est autre chose. Mais pour résumer une chose, je pense que c'est très bizarre, mais c'est des schémas mentaux qui ont été transmis. Les schémas mentaux peuvent changer de contenu à un moment donné, se situer dans un nouveau contexte historique, mais
c'est les mêmes modes d'appréhension du monde. C'est ça qui me frappe beaucoup dans l'héritage. Justement, mon intervention sera courte, parce que je crois qu'il y a des questions dans la salle. Mais vous avez dit tout à l'heure, Jean-Pierre, en lisant parfois certains documents ou en écoutant certaines prises de parole woke, alors pourquoi certaines élites se couchent, ça c'est une chose, on pourrait beaucoup en parler, du manque de courage de certaines élites, mais sur la question pourquoi finalement certains y croient. Mais je comprends votre question, mais en même temps je retrouve exactement cette même question dans votre livre. Alors je ne compare pas les délires woke, je ne compare pas par nature Sandrine Rousseau à Jean-Paul Sartre. Mais quand même, alors certes à votre époque il y avait des références, ok. Et c'était peut-être moins minable qu'aujourd'hui, mais ce n'était pas non plus extraordinaire quand on y revient, vous le dites. Comment, vous parlez du maoïsme, de Mao, en lisant, vous relisez le petit livre rouge. Apparent. Vous dites, comment ai-je pu prendre au sérieux ce discours insipide, asséné comme une théorie sophistiquée qui aurait trouvé les clés de l'explication du monde. Alors après, vous parlez de cette fameuse émission avec la communiste italienne Maria Antonietta Maciocchi et puis Simone Weil. Et vous dites, comment avais-je pu moi-même croire et participer, comme beaucoup d'autres, à ce que Simone Weil appelait justement une gigantesque imposture. Pourtant, vous êtes Jean-Pierre Le Goff, vous étiez Jean-Pierre Le Goff. Et bon, il y a le maoïsme, il y a d'autres choses. Enfin, toutes les références que vous, enfin, beaucoup de références que vous mettez dans votre livre, alors ce sont des références littéraires, je ne parle pas je parle pas de ce qui est poétique, cinématographique, artistique, je parle de ce qui est une certaine partie des références philosophiques de votre époque. Mais bon, Althusser, au-delà du fait qu'il ait tué sa femme, c'est quand même pas une référence, mais au-delà de ça, c'est quand même des gens qui sont quand même prêts à tomber sur tout, y compris sur le point de vue économique. Sartre, c'est une constance dans l'erreur, au-delà du fait, et on le savait à l'époque, que lui et sa femme avaient collaboré. Che Guevara, il y avait moins, mais si on voulait se renseigner entre ces massacres de minorités, à commencer par les massacres d'homosexuels, voilà ce qui était. Alors vous dites aujourd'hui c'est une icône de t-shirt. C'est déjà beaucoup pour lui. Mais voilà, Sartre, donc je l'ai mentionné, mais il écrivait quand même des choses avec Frantz Fanon sur le tuer un homme blanc, faire une pierre de coups. Je veux dire, c'est quand même d'une violence totale et même certains woke ne vont pas, enfin, sauf peut-être dans les universités américaines, ne vont pas aussi loin. Donc voilà, je veux dire, oui, il y avait des grandes références, mais en même temps, des grandes références d'intellectuels qui ont eu pour caractéristique de se tromper à peu près sur tout et de manière continue. Et je comprends qu'il y ait des références poétiques, ça c'est une chose. Mais à un moment donné, je n'ai pas marqué la page malheureusement, mais vous citez une poésie d'Aragon qui raconte « Oui, il faut détruire les fontaines Wallace, les bancs, etc. » Donc en fait, c'est le programme d'Anne Hidalgo, hein, qui est dans son poème. Alors c'est très sympathique lorsque c'est dans un poème d'Aragon avant-guerre, mais lorsque c'est concrètement appliqué, ça l'est moins. Donc voilà, moi je pense qu'il ne faut jamais, et il n'y a rien de pire, qu'entendre des générations suivantes juger les précédentes. Je trouve que c'est ridicule, c'est honteux, et on tombe toujours, enfin, l'histoire ne se juge pas. Par définition, il n'y a rien de plus prétentieux que les jeunes, que les procureurs de leurs ancêtres. Mais quand même, vous avez eu beaucoup de fausses valeurs dans lesquelles votre génération a cru. Comment vous l'expliquez? Et, mini question personnelle, parce que ça, c'est peut-être que ça donnera lieu à un troisième livre, mais c'est vraiment la question centrale à la, quand on referme votre livre. Mais quand vous avez, si j'ose dire, changé? Alors pas au sens changé à Sarkozy, mais il y a eu un moment où il y a eu une évolution. Et ça, on ne le voit pas totalement. Donc, je pense que c'est une question que beaucoup peuvent se poser. Oui, mais le fait de ne pas accepter des réalités, c'est précisément le caractéristique d'une croyance. Vous croyez parce que c'est absurde, disait déjà saint Augustin, si je ne me trompe, plus c'est absurde, plus votre acte de foi sera méritoire. Et c'est un peu ce que Proust, en parlant du domaine de l'imaginaire, appelait ce domaine dans lequel les faits n'entreront jamais. Oui, alors je voulais répondre à la question à propos d'idéologie, à propos du maoïsme, si vous voulez. Je ne vais pas être trop méchant sur le maoïsme, mais on dit que c'est fou de croire à ça. Je vous signale que, si je retrouve d'ailleurs les citations à propos de Mitterrand, en 1960,
comment il caractérise Mao Tse-Tung, parce que fallait être fou, etc. C'est pas du tout pour justifier ça, mais il faut revenir. François Mitterrand avait rencontré Mao Tse-Tung et décrivait, je cite, un humaniste qui échappait aux définitions ordinaires, représentant un nouveau type d'homme pour qui la sagesse, la culture n'ont de sens pour lui qu'identifié à l'action. Hein? Bon, je continue. Malraux, oui, qui rencontre, Mao Tse-Tung, d'ailleurs, hein, qui va faire un Mao Tse-Tung à sa mesure, hein, c'est toujours un peu comme ça. Mais enfin, qu'est-ce que dit Malraux? Aucun homme n'aura si puissamment secoué l'histoire depuis Lénine. Et à la radio allemande, il donnera une interview à propos de Mao Tse-Tung, qui est considéré comme l'homme politique le plus important, mis à part le général de Gaulle. Alors je continue, hein, sur la croyance au maoïsme. Ce n'est pas du tout pour dédouaner, je vais voir ce que ça représente. Mais Valéry Giscard d'Estaing, au moment de la mort de Mao Tse-Tung, c'est peut-être pas lui qui a, je crois que c'est pas lui qui a forcément rédigé le communiqué, mais je cite en 1976, c'est la mort de Mao Tse-Tung, avec le président Mao Tse-Tung s'éteint un phare de la pensée. Non mais écoutez, alors c'est pour relativiser, et ça c'est l'institution. Bon, alors dans le maoïsme lui-même, effectivement c'est une idéologie. La grande différence par rapport au woke, c'est une idéologie de granit, si j'ose dire, pour reprendre une expression de Claude Lefort. C'est-à-dire, c'est une cohérence fantasmatique folle, où domine une représentation d'une unité fermée et totale, ce qui est très différent du wokisme. C'est ça. Je ne pense pas que le wokisme, contrairement à ce qu'on dit, soit un nouveau totalitarisme. Qu'il y ait une logique... Ah si ? Je ne crois pas. Alors, on va s'expliquer sur ce qu'est le totalitarisme. Soit on définit rigoureusement le totalitarisme. Voilà ma conception. Le totalitarisme, c'est un type de régime politique et de société qui est apparu après la guerre de 1914, qui a pris deux formes essentielles, le nazisme et le communisme, avec le léninisme, d'une part. Et on peut caractériser ces deux régimes à partir d'un certain nombre de traits très précis. D'abord, l'idéologie mélangée au pouvoir, et un type d'idéologie qui n'est pas n'importe quelle idéologie, qui est une idéologie fantasmatiquement cohérente, basée sur une science qui se veut sur une science qui est la philosophie matérialiste historique et qui est d'un point de vue d'ailleurs qui donne un point de vue de certitude. C'est un autre trait, je pourrais encore détailler. Il y a le chef, ce que Claude Lefort appellerait l'égocrate. L'égocrate aujourd'hui chez les woke, il y en a peut-être. Enfin, je pense à quelqu'un qui est un peu, qui est plutôt la France insoumise, mais ça c'est autre chose. Il y a l'égocrate, il y a le chef, il y a le parti. Il y a l'État, il y a la société. Et ça s'enchaîne, et l'État quadrille l'ensemble de la société. Je ne crois pas que les woke, à part dans les facs, quadrillent la société. Je ne crois pas ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les combattre. Dernier point, je ne pense pas que, quand vous regardez même visuellement le nazisme ou le communisme, ça marche au pas. Je veux dire, c'est une doctrine qui marche au pas. Les SA, les SS, les woke, ils dansent. C'est la diversité dans les manifs. Enfin, les mots n'ont plus de sens. Si vous définissez le totalitarisme strictement, enfin, il y aurait d'autres traits que je pourrais décrire, le poids de l'idéologie, ce que Alain Besançon appelait l'idéocratie, le pouvoir par l'idéologie. Là, le pouvoir par l'idéologie, de quoi dans les woke? C'est totalement... c'est du fluide, si vous voulez, c'est pas du solide. Donc, si on emploie le mot totalitaire, je pense qu'il faut faire attention à une chose dans la période, c'est que les mots ne veulent plus rien dire. Et je vais vous dire une chose sur l'idéologie des woke. À droite, je ne vais pas citer l'auteur, mais c'est une forme de totalitarisme, alors on va dire, sans le pouvoir. Mais qu'est-ce que le totalitarisme sans le pouvoir? Ou alors, c'est un totalitarisme d'atmosphère, ce qui est déjà plus proche dans la logique des représentations. Ou alors, c'est mieux que ça encore. Un totalitarisme sans goulag. Bon, ben alors, c'est comme le vin sans l'alcool. Enfin, on part dans la bière sans alcool. Ou la bière sans alcool. Enfin, on part sur des mots qui n'ont plus de sens. Par contre, ce que je crois, c'est qu'on a affaire fondamentalement à un affaissement de l'intérieur des démocraties suite à une révolution culturelle qui commence à la fin du XXe siècle, dans la seconde moitié du XXe siècle, et qui a déconstruit le terrain culturel et la dynamique démocratique interne. Ça, je crois, à l'intérieur de cette décomposition liée à cette révolution culturelle, se grèvent des gauchismes décomposés, avec un retour possible contre, en réactivité à ces gauchismes qui peut nous mener vers autre chose.
avec la question « qu'est-ce que ça peut donner en réactivité ?» Ça, c'est autre chose. Mais employer le mot « totalitaire » à propos du wokisme, franchement, ou du politiquement correct, c'est pas parce que vous avez de la censure que vous avez du totalitarisme. Et la censure, elle existe aussi en démocratie, elle est liée... Tout devient totalitaire, vous voyez, il faut faire quand même assez attention à ça, à mon sens. Voilà, alors on va donner la parole à la salle. Il y a deux micros. Non, monsieur? Oui, monsieur? Madame? Là. Ça marche, là? Non, ça marche pas, mais il va falloir parler très fort. Moi, je faisais partie de la Ligue communiste révolutionnaire. Et aujourd'hui, je suis ici. Jean-Pierre, vous faisiez partie, vous étiez maoïste. Je disais, j'ai fait partie de la Ligue communiste révolutionnaire. Enchanté. Et aujourd'hui, je suis ici. Et vous étiez maoïste et aujourd'hui vous êtes sur la tribune. Ouais. Et est-ce qu'on peut penser que dans 20 ans, Sandrine Rousseau sera là avec cette analyse? Ma réponse. Mais en fait, ça commence. Hein. Ils s'embourgeoisent tous. Ce n'est pas le cas ici. Mais regardez certains autres qui jouent totalement le jeu du mainstream aujourd'hui. Donc ça, c'est d'un point de vue plus large. Est-ce qu'elle sera dans 20 ans? Ben, écoutez, certains groupes, dans 20 ans, il n'y aura plus rien. Hein. Donc, elle ne sera pas là, parce qu'il n'y aura plus tout simplement de tribune. Donc, c'est difficile. En revanche, sur le wokisme, on s'est rentré dans les débats qui ont lieu, totalitarisme ou pas. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, même aux États-Unis, le wokisme se heurte un peu au réel. Vous l'avez peut-être vu, notamment l'aide économique. Le capitalisme, je pense que même certains d'entre vous ont été très anticapitalistes par le passé, je pense que ce n'est pas la majorité de la salle, mais bon, je ne vais pas tenir un propos anticapitaliste, mais le capitalisme a été un vecteur du wokisme ces dernières années. Et vous avez d'ailleurs beaucoup écrit là-dessus. On pourrait parler de plein de choses sur les stratégies managériales, etc. Or, on voit quand même un retour de bâton. Il y a cette expression « go woke, go broke ». Donc le meilleur moyen d'aller à la faillite, c'est d'être woke. Il y a de très bons exemples. Le plus bel exemple récent, c'est quand même Disney. Vous avez vu que cette semaine, le patron de Disney a encouragé, plus qu'encouragé, quand c'est un patron qui vous le dit, les auteurs et les producteurs à recréer des histoires et plus faire de politique, moins de véhiculer des messages. Il y a eu l'exemple aussi d'un domaine qui n'a pas grand-chose à voir normalement, de Bud, la marque Budweiser, qui a fait une campagne totalement centrée sur les trans. Or, ce n'est pas vraiment le public de Bud, et qui s'est un peu détourné, ce qui a fait que la première bière maintenant aux États-Unis est une bière mexicaine. Et pareil, je pourrais citer beaucoup d'autres exemples de médias. Donc, c'est pour ça que je suis quand même assez... optimiste sur le fait que le wokisme finisse par changer. Deux petits points quand même d'alerte. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, ce n'est pas un totalitarisme, mais deux petits points d'alerte. Les technologies, les nouvelles technologies, peuvent malheureusement accélérer l'effacement de certaines œuvres. Et on ne va pas citer Orwell, mais Orwell avait quand même imaginé des choses assez fascinantes. Mais si on détruit les œuvres, si on détruit leur référencement, n'existe plus. Donc ce côté-là, la cancel culture n'est qu'un aspect du wokisme, mais c'est un aspect qui, mêlé aux nouvelles technologies, peut être quand même très très dangereux. Et le wokisme est en recul, a commencé son recul. En France, il a été un peu, heureusement, la France a fait un peu barrage d'un certain point de vue, mais attention, il peut être partout. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous racontez mai 68 et la suite, mais principalement vu aussi de Normandie. Le wokisme, très souvent, on pense que ça joue dans deux universités à Paris. La mairie de Bastia écrit en écriture inclusive. Et ce qui d'ailleurs provoque des protestations aussi. Donc je veux dire, c'est là où il faut regarder le wokisme, et je ne sais pas où Sandrine Rousseau et compagnie seront,
dans 20 ans ou dans 30 ans, s'ils feront leur autocritique, s'il y a lieu d'être. Mais les points où il est présent, médias, culture et université, ne sont pas négligeables. Mais on verra. Hein. Mais peut-être que après, s'il y a une fête avec un barbecue, Sandro Rousseau sera là volontiers pour parler du wokisme. Juste un point par rapport à la question qui a été posée, je n'ai pas répondu. Comment vous en êtes arrivé là, à peu près, cette question-là, je n'ai pas répondu. Non, mais c'est très simple, enfin, je veux dire, c'est très simple, pas très simple. On dit, d'abord, pourquoi adhérer comme une adhésion aux idées révolutionnaires? Je pense qu'il faut rompre avec un point de vue purement intellectualiste. C'est comme si les gauchistes de l'époque, qui avaient quand même 20 ans étudiants, avaient un rapport au texte qui était purement intellectualiste. En réalité, alors, effectivement, si vous restez sur cette dimension-là, vous allez voir les idéologies. Mais le type d'anthropologie adolescente n'est pas la même que les staliniens des années 50. Ce sont des jeunes qui ont été élevés dans une nouvelle société de consommation et de loisirs. Alors, à la fois, ils vont rentrer dans l'idéologie. Ça, c'est, déjà, le Maoïsme, c'était pas mal, parce que là, vous changez de registre. C'est-à-dire, vous passez dans un autre monde, si j'ose dire. Mais au départ, le type de militant n'est pas le même. Alors, quel est le rapport entre l'anthropologie adolescente, appelons-la comme ça, et l'idéologie? Eh bien, c'est autour de l'idée de rupture révolutionnaire. Quand vous êtes adolescent prolongé, parce que les étudiants et la bohème, c'est quand même ça, je parle même des situationnistes, c'est pas mal non plus dans le genre, mais concernant, j'allais dire, la correspondance entre l'idée de rupture révolutionnaire et cet âge très particulier qu'est l'adolescence, qui est un moment de rupture. C'est ça qu'il faut comprendre. Et qui est un moment de révolte contre l'autorité. Et ça va se rejoindre. Et là, il y a une dimension qui ne rentre pas dans les textes, parce qu'on s'imagine, voilà ce qui est dit, etc. C'est la rage. Ce que j'appelle, d'ailleurs, s'il s'appelait les enragés. Et les enragés, ce sont des pulsions, ce sont des affects, ce sont des passions adolescentes. Ce n'est pas simplement tout à fait les mêmes que les staliniens d'époque 50 ou des années 30. Justement, c'est ça qui a eu une difficulté à analyser le caractère spécifiquement nouveau, à mon avis, de cette révolution culturelle, qui est très paradoxale, parce qu'elle va mettre en l'air beaucoup de choses avec un acteur historique qui est quand même assez paradoxal. Et l'adolescence va, la jeunesse va s'élever à ce moment-là en personnalité de type de comportement extrêmement valorisé. Donc, tout le monde va se réclamer de la jeunesse comme moment central de la vie. Les différences d'âge et d'étape de la vie vont s'esquisser au profit de cette dimension centrale. Ça, c'est une véritable révolution culturelle. Et à mon avis, on en voit encore des bouts, voyez. Pourquoi? Comment on sort de ça? Il y a d'abord, avant même, une dimension de critique des idées, parce que ça, c'est comme ça que c'est présenté, il y a une dimension d'épreuve du réel. C'est-à-dire, je raconte dans mon livre qu'il y a un moment, vous pouvez aller plus loin dans la violence, mais on vous fait comprendre, heureusement, par l'État d'irrépressif, qu'il ne faudrait quand même pas aller trop loin. Et que dans ce cas-là, vous arrêtez. Parce que sinon, vous risquez gros. Et l'État, à ce moment-là, assume sa position répressive, de répression. Donc, ce n'est pas simplement « j'ai changé d'idée par rapport à un rapport intellectuel qui serait le même tout du long ». Vous voyez, comme si on était, on était au sein de l'université, dans un milieu intellectuel où les intellectuels parlent aux intellectuels. Mais ce n'était pas du tout ça. Le deuxième point, je termine là-dessus, c'est par la critique du totalitarisme. C'est-à-dire, une fois l'épreuve du passé, il se trouve que moi, quand j'ai repris les études, j'ai travaillé sur le concept de totalitarisme. Alors, et d'ailleurs, j'avais ce qui me faisait penser beaucoup à travers le concept de totalitarisme de Claude Lefort, des années plus tard. Donc, c'est cette conjugaison entre l'épreuve du réel, la répression, on va dire, et le fait que, en plus, vous allez retrouver la classe ouvrière, sauf que vous allez vous apercevoir au bout d'un moment que la classe ouvrière n'est pas du tout celle que vous rêviez. Hein, ce n'est pas la classe ouvrière 36 révolutionnaire. C'est la classe ouvrière qui aime bien les congés, la société des loisirs, etc. Vous êtes avec votre image. Ça ne marche pas. Et à ce moment-là, arrive la greffe, j'allais dire, antitotalitaire dans la seconde moitié des années 70. Vous êtes amené à réfléchir pourquoi je suis rentré dans ce machin, si vous voulez. C'est ça, dans ce chose-là. Voilà, rapidement résumé, pourquoi la différence entre hier et aujourd'hui. Je parle, oui ou non? Bon. Je veux dire, je suis arrivée à Paris au début des années 70 et j'ai plongé dans le gauchisme. Mais enfin, c'est cette dimension sur laquelle je voudrais insister, c'est le côté moutonnier, le côté... Parce que souvent, dans les manifs, c'est tous ensemble, tous ensemble. Et donc, il me semble que dans ces adhésions comme ça à des idéologies délirantes, il y a beaucoup de...
justement d'être avec les autres. Et au fond, moi, je suis devenue gauchiste parce que j'étais tombée amoureuse d'un type qui était gauchiste. Et par amour, je peux dire, enfin, par fusion, j'ai adhéré à ses idées. Et d'ailleurs, je l'ai quitté au début des années 80, parce que quand Mitterrand a été élu et que rapidement, d'ailleurs, Chevènement a dit qu'il fallait que tous les 80% des élèves aient le bac... je me suis dit, moi j'étais prof à l'époque, pourquoi 80, pourquoi pas 90, pourquoi pas 99. Et pour moi, c'est une date très importante, parce que c'est quand même le début de la déculturation par l'école. Enfin, je veux dire, bon, avec ensuite des facultés surchargées, enfin bon. Ce que je voulais dire, alors justement, sur, une autre chose aussi que je voulais dire, c'est donc sur ce mimétisme, je pense qu'il est important. Sur les, ce que vous avez dit aussi sur la génération actuelle, ce matin, il y avait un texte dans la Revue des Deux Mondes de Pascal Bruckner, justement, qui, à propos d'un livre de Samuel... attendez. Oui. Non, c'est pas Samuel Futassi, je vais le retrouver. Pascal Bruckner, il a écrit « L'idéologie du bonheur ». Et dans ce texte, ce roman de Samuel, je retrouvais le nom, qui date de la fin du 19e siècle, lui, il inventait une société où on n'aurait pas le droit d'être malade, on n'aurait pas le droit, la douleur serait interdite, ça serait très mal d'être malheureux. Je trouve quand même que cette époque des années 70... Il fallait être heureux. Il y avait une idéologie du bonheur, quand même. Et Pascal Bruckner, lui, dit que, au fond, ça a été refoulé et que ça s'est retourné maintenant. Il donne l'exemple de ce livre en une société maintenant où tout le monde devrait être malheureux et où on est dans des idéologies victimaires. Voilà. Donc, il me semble que c'est une grande différence entre ces deux générations. Et pour terminer sur le mouvement woke aussi, il me semble que, quand même... Il y a, je ne pense pas du tout que ça soit religieux, je pense que c'est un espèce de recours désespéré, un vide au fond. C'est-à-dire qu'il faut croire à quelque chose, que ça soit complètement stupide, on y va, et on est tous ensemble, et voilà, c'est ça en fait. C'est la bêtise à l'état pur en fait. Il y a une question ? Oui, attends, il y a une question de Patrice Guénifet que j'ai vue avant. Oui. Ah, mettez-vous là, je vais m'avancer. Oui, c'était... Bon, c'est très intéressant. Je pense que ce qui relie les deux, c'est qu'au fond, c'est toujours la même histoire qui continue, c'est-à-dire celle de l'émancipation des individus qui se radicalisent, mais on est dans le même processus qui a commencé après la Seconde Guerre mondiale. Alors ma première... avant de dire un mot sur le wokisme, c'est pour Jean-Pierre. Est-ce que... on pourrait le comprendre. Est-ce que tu ne surestimes pas quand même 68 dans cette histoire globale? Parce que, après tout, c'est quand même Bouvard et Pécuchet. Hein. Tous ces grands noms et ces grandes autorités intellectuelles ont écrit une quantité d'âneries pas banales du tout. Quand on relit Foucault aujourd'hui, ça se veut intelligent, mais c'est quand même d'une banalité effrayante. Mais d'une certaine façon, tout ce qui se dit dans les années 60-70, se trouvait déjà dans les avant-gardes depuis le début du XXe siècle. Et au fond, c'est un peu comme si l'avant-garde était sortie de son avant-garde et avait irrigué toute la société à partir des années 60. Et il y a un mot que tu n'as pas prononcé, c'est celui de génération. Parce qu'après tout, c'est l'histoire d'une génération qui est née dans les années 40 et qui, pour la première fois dans l'histoire, ça ne s'est jamais produit avant, récuse, rejette à la fois... l'héritage qu'elle a reçu et toute idée de transmission. C'est la première fois dans l'histoire. On ne peut même pas le dire de la génération qui a fait la Révolution française. Ça n'existe pas avant. Donc là, il y a une énigme. Il y a quelque chose de tout à fait mystérieux là-dedans. Et enfin, j'avais une observation sur le wokisme. Moi, je crois que c'est quelque chose de très sérieux. Et que le sérieux de la chose garantit son avenir. Parce qu'au fond, il y a dans l'idée démocratique une promesse d'émancipation infinie, indéfinie.
Et le wokisme est un peu la pointe d'un mouvement, d'un processus démocratique devenu fou. Parce que dissocié de la politique, l'un des effets de la révolution qu'a faite Jean-Pierre, ça a été la dépolitisation des sociétés. Et puis aussi d'une économie qui n'a plus de la rationalité qu'elle pouvait avoir avant, on est dans un profit de court terme. Le wokisme est tout à fait compatible avec ça. Donc je crois à l'avenir du wokisme et je crois aussi à sa nature parfaitement totalitaire. Parce qu'après tout, le wokisme ne tue pas physiquement les gens, pas encore, mais il les tue socialement. Et il fonctionne sur le principe de l'orthodoxie et de l'épuration. Donc c'est absolument totalitaire. On peut être totalitaire sans avoir une police avec des matraques à la ceinture. Hein. Voilà. Bon, c'était deux observations plutôt que des questions. Oui. Il faut laisser un peu les questions. Oui, mais après on va oublier. Enfin, bon, je me permets de répondre, excusez-moi, je vous repasse la parole. Mais alors sur deux points. D'abord, ça existait avant. Ça, c'est effectif, on va trouver avant des éléments. Quelle est la spécificité, c'est ça, comme ça qu'il faut poser la question, par rapport à ce long terme, quelle est la spécificité de cette révolution socio-juvénile qui commence en 68, qui commence un peu avant, puisque la jeunesse s'affirme avant. La spécificité, elle est que par rapport à ce qui existait antérieurement, ça va le pousser dans un sens d'individualisme radical, d'une certaine façon. Les situationnistes, c'est tout à fait ça. Donc ça participe... Oui, mais les surréalistes, justement, quelle est la différence entre les situationnistes et les surréalistes? Parce qu'il y a une différence. Il y a à la fois des éléments de continuité, des éléments de discontinuité. Les éléments de discontinuité par rapport aux situationnistes, ça consiste à dire qu'ils se veulent les héritiers du surréaliste, mais ils ne sont pas allés au bout de leur programme. Et le bout du programme, c'était la dissolution de l'œuvre d'art, y compris dans la vie quotidienne, la révolution de la vie quotidienne. C'est-à-dire la notion d'œuvre va être bannie chez les situationnistes. Donc on voit bien comment ce qui remonte à ce mouvement d'ensemble bascule à un moment donné. Et on pourrait le dire de beaucoup d'autres domaines. Ça devient caricatural et ça tombe à l'absurde. Et le wokisme, d'une certaine façon, pour moi, c'est la pointe la plus extrême de ça. Est-ce que c'est du totalitarisme? Bon, ben là, non, personnellement, je ne crois pas, parce que on peut dire que c'est un totalitarisme banalisé. Mais Tocqueville parle d'une fête d'ostracisme qui existe, où on ne réprime pas avec les matraques, mais on le met de côté, et on est dans un cadre démocratique. On n'est pas forcément dans un cadre totalitaire. Donc moi, c'est pour ça que je pense que c'est différent. Alors, pas dans un cadre démocratique. Alors peut-être que l'université, mais le totalitarisme, c'est quand c'est même... C'est l'acquisition. Non, mais le totalitarisme, encore une fois, ça dépend de la définition que vous en donnez. Moi, j'ai une définition assez stricte. C'est-à-dire que si vous définissez le totalitarisme comme un régime politique et un type de société particulière apparaît à un moment donné qui est une négation de la démocratie, je pense que par contre, il faut s'attendre à de nouvelles négations de la démocratie qui ne seront pas forcément totalitaires, qui sont des phénomènes qu'on ne voit pas encore. Est-ce que le wokisme est la pointe la plus avancée de cette négation? Je ne crois pas, parce qu'il a des éléments d'autodestruction interne. Dernier point, l'université, je comprends que quand on est dedans, on voit ça, mais moi j'ai regardé les actions menées par les woke, j'ai pas vu beaucoup de statues déboulonnées, si vous voulez. Non, mais c'est pas ça. Attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît, et je termine. Ça veut dire que la société française, enfin, la société française n'est pas woke. LGTB+ et compagnie, j'aimerais bien savoir chez qui ça prend dans l'ensemble de la société. Quand vous regardez les sondages et la montée en puissance, ce n'est pas les woke, la montée en puissance, c'est le Rassemblement National. Enfin, je veux dire, ce n'est pas la même chose. Donc moi, je pense plutôt en mesure de décomposition interne de la démocratie et l'absence de totalitarisme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des représentations totalitaires chez les woke, qu'il n'y ait pas une logique de raisonnement totalitaire. Mais ce n'est pas du totalitarisme au sens propre. Oui, ça d'accord. Alors, une phrase, que ce soit clair, je prends très très au sérieux ce qu'a dit Patrice Guénifet. Bien sûr,
c'est un danger. Mais après, votre débat sur le totalitarisme ou pas, on lutte contre le diabète qui n'est pas un totalitarisme. Donc on peut lutter contre le wokisme, même si ce n'est pas un totalitarisme au sens propre. Simplement, Patrice Guénifet, vous dites qu'il ne tue pas encore. Moi, là, j'ai un petit point de désaccord avec vous. Je pense qu'il tue, déjà, au sens propre du terme, et pas que socialement. Et je crois que, malheureusement, l'époque le montre et l'actualité le montre, comme très souvent, les premières victimes seront les juifs. Avec une montée de l'islamo-wokisme qui est terrible, un relativisme total qui est un nouveau négationnisme, et comme dans le wokisme, un axe principal, c'est le dominant versus le dominé, et bien le dominant absolu dans le délire depuis des siècles, ben ça reste le juif. Et donc ce sera, je pense, malheureusement, et on le voit sur les campus américains, donc je pense qu'il est en train de tuer le wokisme. Donc il faut le combattre totalement. Après, espérons que le système le combattra lui-même. Mais c'est un vrai combat, je suis totalement d'accord. On va y arriver. Oui, bon Jean-Pierre, bon, merci déjà pour ce livre que j'ai lu, où j'ai retrouvé beaucoup de mes lectures d'autrefois. Simplement, je veux revenir sur l'aspect, comment se fait-il que des intellectuels comme toi et d'autres, qui se sont rendus compte quand même relativement rapidement, sortis de l'adolescence, se sont rendus compte quand même qu'il y avait un petit problème dans la révolte de 1968, qui était à mon avis d'ailleurs nécessaire, parce qu'il fallait déboussiérer quand même les années du gaullisme. Il y avait quand même beaucoup besoin de se libérer du carcan, de vieille tradition. Mais ça, c'était le rôle des adolescents de faire ça. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a eu des intellectuels derrière, dont Michel Foucault et d'autres, qui ont déconstruit le monde dans lequel on vivait, qui ont déconstruit notamment, moi j'ai beaucoup travaillé, j'étais à la protection judiciaire de la jeunesse, on nous infusait, Michel Foucault, surveiller et punir, on a commencé à carrément détruire complètement l'éducation surveillée. On a fait ce qu'on a fait maintenant avec les bandes de jeunes, on a complètement déconstruit la pédagogie vis-à-vis des jeunes délinquants. Donc ça c'est extrêmement grave. Donc ce que je voulais dire, c'est par rapport les intellectuels français de l'époque de 68 qui ont vieilli, et dont certains se sont embourgeoisés, ont dirigé des universités, ont dirigé des partis politiques, comment se fait-il qu'on ne se soit pas rendu compte qu'il fallait reconstruire peut-être autre chose que l'Église catholique ou le marxisme, mais reconstruire une société où on intègre les notions d'autorité, de transmission. Or, je pense qu'il y a des gens, des jeunes qui arrivent comme Julie Bastier, Mathieu Bocoté et d'autres intellectuels qui commencent à penser ça, mais on le pense très tard. Il y a des possibilités de travailler sur la transmission, sur l'autorité aujourd'hui, mais on manque encore de ressources intellectuelles pour penser le monde moderne. Voilà ce que je voulais dire. Ouais. Vous ne pourrez inscrire aucun sujet de thèse sur ces questions à l'université parce que ça ne coche pas les cases. Comment se fait-il qu'on n'a pas reconstruit ? Je pense que le terrain à l'intérieur de l'université avait quand même été assez préparé par le gauchisme antérieur, hein, pour dire les choses. Donc, comment se fait-il qu'on manque d'intellectuels ? Moi, peut-être, j'en sais rien. Je pense qu'il y a des analyses qui peuvent être intéressantes. Moi, je pense qu'il y a deux. Je reviens sur deux problèmes. Comment en est-on arrivé là ? C'est ça. Ce n'est pas simplement la réactivité vis-à-vis du wokisme, c'est comment en est-on arrivé là. Et là, il y a tout un processus qui, à mon avis, part de loin, et notamment de ça. Deuxièmement, la trahison des élites, enfin, disons-le comme ça, c'est-à-dire la lâcheté d'un certain nombre de responsables qui veulent, d'ailleurs, avec des aspects à l'université qui existaient déjà un peu en 1968, notamment quand les gauchistes interrompaient un cours, ça pouvait être intéressant, surtout pour les postes, et pas se faire mal voir par rapport aux autres. Ça existait déjà un peu. Il y a aussi cette lâcheté qui existe, mais qui est beaucoup plus générale. Maintenant, sur la question du wokisme, la plaisanterie, par exemple, on parle d'un wokisme d'atmosphère, on dit la plaisanterie de Kundera. Mais enfin, excusez-moi, en France, vous n'allez pas aller dans un camp. Enfin, je veux dire, attention à la notion de totalitarisme, on perd le sens du réel. C'est-à-dire que c'est quand même le sens commun, c'est pas la même chose d'une dictature sanglante et la terreur, pas simplement la terreur intellectuelle, la terreur au sens physique, c'est les tripes, c'est pas une représentation de la terreur, c'est pas simplement... on vous prend physiquement, on vous exécute physiquement. Les analogies entre ça et ce qui se passe comme censure dans les books me semble, à mon avis, fausse. Une dernière question. Venez.
Merci beaucoup pour cette conversation, patience. J'avais une question à la fois très simple et très philosophique, mais pour lutter contre le wokisme, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à des questions très anthropologiques que vous avez soulevées, qui sont celles de qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce qu'un bon pouvoir, qu'est-ce qu'un bon contre-pouvoir et qu'est-ce qu'une bonne justice? Et quelque part, dans la jeune génération, il y a un peu une véritable et une vraie appétence chez ceux qui ont un vrai sentiment de la recherche de la vérité autour de ces questions-là. Et lorsqu'on parle du déclin de l'Église catholique ou du Parti communiste, c'était deux grandes institutions qui y répondaient. Elles y répondent encore, en tout cas pour l'Église. On est dans un institut de théologie protestante, moi je suis catholique, mais je pense qu'elle y répond encore. Et elle se pose des questions de savoir pourquoi est-ce que beaucoup de générations sont parties. Et j'avais aussi une autre question à vous poser. Peterson dit avec humour, aux États-Unis, les woke ne sont pas forcément capables de répondre à une question simple. Qu'est-ce qu'une femme? Ce qui est assez amusant. Moi, je répondrais aussi, en France, beaucoup d'élites ne sont pas capables de répondre à des questions simples comme qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce qu'un bon pouvoir ou qu'est-ce qu'un bon contre-pouvoir. On va prendre tout de suite la dernière question en même temps. En vous écoutant, et c'est impressionnant, ce qui me frappe, c'est effectivement cette question de totalitarisme. Il y a un totalitarisme, il y a une bureaucratie, il y a une volonté de... Ah bon ? Il y a une volonté d'écraser les personnes. Ce qui me frappe aussi, c'est dans la naissance de tous ces mouvements gauchistes, c'est le premier mouvement pré-révolutionnaire, puis qui amène à la révolution, puis ensuite il y a un mouvement enragé, réellement révolutionnaire, qui s'installe un peu comme ça existe à notre époque. Et on a un peu le sentiment qu'on désincarne le pouvoir pour ne garder de la monarchie absolue de droit divin que une volonté d'absolutisme. Donc plutôt qu'une affaire totalitaire, on sent dans le monde woke quelque chose de très étrange qui est un désir d'absolutisme, mais ramené à soi-même et pas du tout ramené à une vraie construction totalitaire. Mais elle s'imprime nécessairement par agrégation, un petit peu comme vous disiez, par l'aspect moutonnier ou grégaire des hommes les uns à côté des autres. Le mot de la fin pour Romain et ensuite pour Jean-Pierre. Non, mais une pré-conclusion avant celle de Jean-Pierre. Mais la dernière phrase de votre livre, Jean-Pierre, pour affronter les nouveaux défis du XXIe siècle, il est temps de renouer le fil de la transmission. Et là, je crois qu'il y aura des divergences, mais... Il faut être dans l'espérance, pas uniquement parce qu'on est dans le temps de l'avant. Je pense tout simplement qu'il est possible de renouer avec la transmission. On pense que ce n'est pas possible, et dans ce cas-là, il va falloir qu'on aille cultiver notre jardin et qu'on s'occupe de nous, et voire qu'on s'exile. Soit on pense, et c'est mon avis, vous l'avez compris, que c'est possible. C'est déjà arrivé dans le passé qu'on renoue avec la transmission. Alors là, le fil a été coupé quand même très sévèrement. Il va falloir un travail extraordinaire, et notamment sur l'éducation nationale, qui risque de durer plusieurs décennies et qui va demander des actes plus que des paroles. Mais c'est possible, car si ce n'est pas possible, ce ne sera même pas politique autrement, ce sera la fin de la politique et la fin de l'Occident. Juste pour terminer, moi, c'est la question, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à la fin d'un cycle historique, mais que si vous comparez aux années 80, l'époque-là de l'hégémonie, pour le coup du gauchisme culturel, y compris avec l'État, etc., cette hégémonie est entamée. Ce n'est pas la même situation. Je ne dis pas que c'est fini, mais on n'est pas du tout dans le même chape de plomb qu'on a connu avec SOS Racisme. Il y a quand même une réaction au sein de la société. C'est pour ça que je dis que la société française et le wokisme, le puritanisme, l'espèce d'éradication puriste, parce que c'est un peu cette dimension-là, je ne suis pas persuadé qu'elle aboutisse. Alors juste un point sur qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce mouvement de longue haleine. Je pense que le peuple adolescent l'a fait basculer vers l'absurde, vers un individualisme radical, mais qu'effectivement, il pouvait piocher encore à l'époque dans une filiation. Simplement, il a détruit le tissu lui-même de la transmission. C'est ça la spécificité, si vous voulez, pour moi, de cette révolution. Et dernier point, on est aujourd'hui, je crois qu'on est dans une situation nouvelle, où je vais prendre les risques de guerre à la question géopolitique, qui me paraît absolument centrale comme nouvelle donne, et liée aussi à la question de l'émigration. On est confronté à un point, on ne peut pas y échapper. À quoi on tient dans l'héritage, ce qui nous a été transmis. Ça, c'est dit très... On ne va pas pouvoir évacuer ça dans une position purement de déconstruction ou de négation. Et je vois apparaître des points dans la société
où ça commence à se relever. C'est pour ça que j'espère qu'on est à la fin d'un cycle historique, mais que ce qui marque la fin d'un cycle historique, c'est précisément un nouvel événement. Et peut-être faut-il s'attendre à des événements historiques inédits et très problématiques pour que tout d'un coup, on se sente obligé, comme c'est arrivé dans l'histoire, de se réapproprier l'héritage. Et là, on voit des choses assez inattendues, où il y a des réserves d'humanité plus ou moins conscientes qui ressurgissent à ce moment-là. C'est du moins, moi, l'espérance que j'ai, si vous voulez.